Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Laisse-moi passer. Tu vas nulle part, tu vas nulle part. Tu dois... Lucie, laisse-moi passer. Où vas-tu? Lucie, laisse-moi passer. Quitte sur mon chemin maintenant. Quitte. Quitte sur mon chemin. Gina, est-ce un crime d'avoir épousé Ejike?
J'avais plusieurs hommes qui couraient après moi, qui demandaient ma main en mariage. Je les avais tous rejetés à cause de celui-ci. Je sais. Non, pas jusque-là. Lucie, je sais. C'est bon. Essuie tes larmes. Tu n'as commis aucun crime en épousant Ejike. Tu ne l'as pas fait. Écoute, Lucie, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et je sais que ce n'est pas de ta faute. Prends son dans ses sens. Ce n'est pas toujours de sa faute. Écoute, tu ne comprends pas. Cet homme ne mange plus ma nourriture. Écoute, je peux bien préparer. Je vais dans la cuisine. Je veux quelque chose, mais il n'arrive pas à manger ce que j'ai préparé. Ou c'est une façon pour lui d'aller faire son romantisme à l'extérieur. Et lorsqu'il revient à la maison, c'est pour aller fouiller partout et commencer à me maltraiter comme sa bonne. Ou bien c'est une façon pour lui de me challenger dans le mariage ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Écoute, j'en ai vraiment marre, je suis fatiguée. Ça ira comme je te l'ai toujours dit. Tout ira mieux. Je pense que la solution à ces problèmes maintenant est la prière. Tu dois prier. Alors sois forte. Tu iras mieux. C'est ce que tu penses? Oui. C'est ce que tu penses vraiment? Oui. Tu vas me faire pleurer. Okay, tiens. Non. Oh, non, ça va. Vraiment, oh, je suis vraiment désolée. Qui est-ce? Attendez, s'il vous plaît. Bonsoir, mon mari. Donne-moi à manger. J'ai faim. Il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il n'y a rien à manger? Parce qu'il n'y a pas de nourriture dans cette maison. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Je t'en avais parlé la nuit dernière. Pendant que j'étais ivre? Tu étais ivre? Est-ce une raison? Waouh! C'est une réponse que tu donnes à ta femme? Assez! Pourquoi tu ne me l'as pas dit le matin? Quel matin? Ce matin? Avec ta vitesse comme si on te poursuivait par un monstre? À chaque fois que je te parle, tu n'es jamais gentil envers moi. Tu as toujours ton visage fermé comme si tu étais un soldat qui poursuivait un ennemi dans la forêt. Je dis assez. Mais... mon cher mari, laisse ce chien qui dort. J'en ai marre de recevoir tes coups à tout moment. Non seulement ton corps, y compris ta bouche, que je vais donner des coups qui te permettront à cette terre. Ai-je fait quelque chose? Tu la fermes, sinon je vais te gifler. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu aimes toujours me frapper? Tu me défies? Qu'est-ce que je t'ai fait? Toi! Lâche-moi, non! Mon cher ami, tu prends de la bière avec cette blessure à la bouche. Tu as dit que c'est ton bailleur qui t'a fait ça. Tu lui as fait quoi pour qu'il te fasse comme ça? Oui, mon bailleur est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Un instant, j'ai une question. Es-tu sûr que tu ne le dois pas? Est-ce que tu as couché avec sa femme? J'ai cherché à le séparer, il s'est battu lui et... Je l'ai dit, je le savais que la femme doit être impliquée pour qu'il soit vraiment tabassé jusqu'à à ces niveaux. Il a exagéré. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hé, imaginez-vous un peu. Si cette gifle, ces coups, étaient frappés sur le corps de cette femme, la morgue, dites-moi, catastrophe. Vraiment, cet homme est méchant. Hey! Au contraire, c'est cette femme-là qui rend la vie de l'homme misérable. Mmh. Juste parce qu'elle est vraiment ressortissante de l'université. Malheureusement, cet homme est illettré. Tu vois, je l'avais dit. Non, je l'avais dit. Je ne sais pas le problème qu'il y a avec nos femmes qui ont étudié. Tu commences encore? Non, mais c'est la vérité. Tu vois? Tu es d'accord avec lui. Mon cher, ça c'est la vérité. Mon cher, à moi. Écoutez-moi, c'est pourquoi vous discutez. Attendez. Ce n'est pas bien, gifler une femme. C'est vraiment interdit, gifler une femme. Voilà pourquoi l'homme doit prendre le contrôle de sa maison. Là, tu as raison. Comme moi. Oui. Je prends le contrôle de tout ce qui se passe dans ma maison. Oui. En plus,
je traite ma femme presque comme une esclave. Les jours où je vais rire, elle va s'étonner comme si elle a vu Jésus. Elle sera contente. C'est ce que vraiment nous appelons être au contrôle. Edike. Hein? Edike, qu'est-ce qu'il y a? Il est ta femme. Je suis content comme tu le sais. Et non ta femme. C'est ta femme. Elle n'est pas ma femme. C'est ta femme. Et alors? Elle n'est pas ton esclave. Cet homme ne me comprend pas toujours. Elle n'est pas ton sac de boxe, Edike. Attention. Je te le préviens. Je comprends. Mais c'est de cette façon que j'ai toujours contrôlé ma maison. Tu n'as pas le contrôle de ta maison. Je lave les mains. Tu as besoin plus de l'alcool pour que tu parviennes à bien contrôler ta maison. Et prendre sa charge tout le temps. Contrôler la maison. Je commence à parler comme lui. Toute fois que je fais écouter de cet homme, l'alcool va changer l'opinion de cet homme. Oh, Lucie. Rose, mon amour, comment vas-tu? Je veux bien, toi? Je veux bien. Oh, dis-moi, tu viens d'où et tu vas où? Je veux au marché. Hein? Comment se passe le marché aujourd'hui? Je pense que les prix sont abordables au marché parce que j'ai besoin de manger les légumes et les ignames. Les prix sont très chauds. Ça, j'ai acheté ça à 2500. Je te dis 2500. En tout cas, je dois rentrer parce que tout ce que j'ai, c'est 500 naira. Hein? Tu peux pas encore quoi tu disais? Les légumes et les ignames. Hein? Je pense que tu dois juste aller voir toi-même. Tu n'as qu'à fermer les yeux et acheter tout ce que tu voudras. Tu vois, la seule différence est que moi, je ne suis pas seule. J'ai un c'est pourquoi, à la c'est pourquoi je ne suis pas comme toi ou ma sœur. Si je t'ai mariée comme toi, je n'allais pas me plaindre. Parce que j'allais faire un effort qu'il fait à payer tous mes besoins. Hein? Hein? Tu parles juste pour parler, ma sœur. As-tu oublié ce que les gens disent? On dit toujours que c'est un grand monde. Qui a dit? C'est un grand monde. Qui a dit? C'est l'univers. Tu crois que si je t'ai mariée comme toi, j'allais donner mon mari tout ce que tu lui donnes? Là, je n'allais pas faire ça. Rose. Rose, toutefois, tu n'es pas moi. Hein? Tu le sais, n'est-ce pas? Lorsque tu vas te marier, si tu voudras pointer du doigt à ton mari, tu pourras bien le faire. Hein? Si tu voudras même les tuer, tu le feras très bien, ma chère. Mon mari m'aime énormément. Et moi, je l'aime aussi. Il prend soin de moi. Tu comprends? S'il est comme ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va rester comme ça. Il va changer un jour. Il est tout pour moi, Rose. Il est tout pour moi. Prends soin de toi. Ah ah! Je ne voulais pas te provoquer, non? Hein, Lucie? Où sont les documents que j'ai laissés dans les tiroirs? C'est quels documents? Les documents, le papier des contrats. Les contrats, où sont-ils? Je ne sais rien à propos de ce papier de contrat. Alors cela veut dire que nous vivons avec quelqu'un d'autre dans cette maison? Hein? Mon mari, que ferais-je avec tes papiers de contrat? S'il te plaît, laisse-moi aller préparer quelque chose à manger. J'ai tellement faim. Tu es folle? Hein? Comment oses-tu m'importuner? Comment oses-tu? Mon mari, qu'est-ce que je t'ai fait, s'il te plaît? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me stresses de cette façon? S'il te plaît, ai-je fait un crime pour t'avoir dit que je ne peux pas préparer quelque chose à manger? À la prochaine fois, quand je te parle et tu tournes les dos, tu pars, je vais te tuer. Odogu, mon cher ami. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon frère. Je te vois assurer les chaussures. Aujourd'hui, tu ne pars pas au travail? Mon frère, j'irai où? Tu vois, rester à la maison, c'est vraiment chercher des problèmes. Vraiment, je ne comprends pas.
Rester sur la maison, c'est chercher les problèmes. Que cela veut dire? Cela veut dire que ta maison te chasse ou c'est toi qui fuis ta maison? Non, loin de là. La parcelle a un espace de paix. Et le bailleur est un homme bon, tu sais. Mais tu vois ces deux gens, mon voisin. Je refuse. Eh oh, toujours des problèmes à tout moment. Je ne te comprends pas toujours. Je ne parviens pas à te comprendre. Cet homme et sa femme, c'est les chiens et les chats. Depuis éduquer et épouser cette femme, il n'y a rien de paix dans cette maison. C'est pitoyable, honnêtement. C'est pitoyable. Alors, qui est exactement le problème? C'est la femme? Au contraire, c'est son mari. Éduqué. Éduqué ne veut pas la paix dans cette maison. En plus, il a changé cette femme à un sac de boxe. À tout moment. Laisse-moi parler. Écoute, il va commencer à frapper cette femme sans aucune provocation. Tu peux imaginer? Hein? À tout moment. Alors, laisse-moi un peu poser la question. Elle n'a pas son père? Pourquoi elle ne peut pas rentrer chez son père? Mon frère. Le plus mal de ça est que la femme couvre le mari, fait comme si rien ne s'est passé. Dans ces cas, cela veut dire il y a un problème quelque part. Est-ce que tu comprends? Écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas bien quelque part. Écoute, vraiment, c'est ce qui me pousse d'aller me battre avec lui pour le battre. Battre? Il ne donne plus cette femme à manger dans cette maison. Pourquoi il doit faire ça? Hein? Pourquoi? Je n'abandonnerai pas. Il y aura un jour, ça va se réaliser. Ekene? Ekene a fait quoi? Ekene? Qu'est-ce qu'il y a? Ekene, tu peux me regarder droit dans les yeux que je te dise quelque chose? C'est quoi, Mazier? Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a avec toi, Ekene? Écoute ce que je vais te dire. Je t'écoute. Regarde-moi dans les yeux. Je t'écoute. Unique chose que je peux te dire est que peu importe ce que Dieu a déjà mis ensemble, aucun homme peut les séparer. Et Ekene, pasteur, si tu essaies d'exécuter ta décision, Ekene, ça sera pitié. Et cette pitié sera ton pitié. J'entends que ces jours-là, ils me verront. Est-ce que tu le comprends? Si tu ne le comprends pas, je ne sais pas de quelle manière tu vas le comprendre. Je viens. Odogu, Ekene, ne le fais pas. Tu vois cette bataille. Tu vas t'engager à une autre. Lucie, oh, tu es assise ici à l'extérieur. Comment tu vas? Je vais bien. Comment vas-tu, Dina? Je veux bien. Désolée. Je comprends que tu te réjouisses. Il n'y a pas de courant à la maison. C'est... Je ne me réjouis pas. Veux-tu te joindre à moi? Non, merci. C'est pour ça que tu aimes toujours me condamner. Mais s'il te plaît, ne pars pas de ce côté-là. Amen. Je comprends, les gens comme vous sont toujours comme ça. C'est ça. Ok, pas de problème. Attends, mais ce n'est pas mon cas pour le moment. Je me suis juste mise ici pour rien. C'est un peu ça. Lucie, je t'ai toujours dit, ça ira. Que nous continuions de prier tout le jour. Peut-être qu'il va changer un jour et il va revenir à la raison. J'espère bien. Je l'espère. S'il te plaît, je t'en prie. Utilise ça. Que je prenne ça? Ouais. Gina, tu m'as donné 1000? Oui, c'est à toi. Merci. Je t'en prie. Merci énormément. Ça va, Lucie. Lucie, c'est bon. C'est tellement Lucie, c'est pas beaucoup. Oh, tu ris. Je suis en train d'aller à la chapelle. Je sais pas si tu voudras me rejoindre. Il n'y a pas de problème, mais j'aimerais te remercier d'abord pour ça. Hein? Que je finisse d'abord mon repas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non. Oh, Lucie. Lucie, tu es devenue vraiment une comédienne. Non, et ça va. Tu ne veux pas manger? Je veux bien. Avec moi, dis-moi. Hein? Crois-moi, ça va. Alors, comment te sens-tu? C'était bien passé. Je crois que tu as rencontré la secrétaire de la compagnie. Bien.
J'ai vu la secrétaire. Elle m'a assuré que le contrat me sera donné. Oui. Oh, c'est très bon. Bon à savoir. Et tu sais, je suis tellement intéressé par ce genre de contrat. Parce que je ne veux pas que ma famille meure de colère. Si tel est le cas, prie pour ce contrat. Dieu le fera. Dieu va nous donner plus de contrats, bien sûr. Je l'espère ainsi. J'ai beaucoup de pensées. J'ai beaucoup investi pour poursuivre ces contrats. Nous n'avons pas droit à les perdre. Dieu le fera. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous attendons encore? C'est le temps pour nous de prendre un verre. Serveur? Mon patron a dit que tu peux ajouter de boisson. Qui est ton patron? Regarde-toi. C'est toi qui es mon patron. Mon mari. Ces derniers temps, tu ne réponds plus à mes salutations. Ai-je encore commis un crime? Dois-je crier avant que tu écoutes ma réponse? Hein? Désolée. Tu sais que ça fait très longtemps que tu ne manges plus ma nourriture. Et tu ne t'inquiètes plus pour donner de l'argent pour acheter à manger dans cette maison. Et tu n'as jamais été content à mon égard. Qu'est-ce qui se passe? En passant, qu'est-ce que tu as préparé? J'ai préparé le riz. Où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour préparer du riz? Où tu as déjà commencé la prostitution? Moi? Hein? Oui, je m'adresse à toi. Prostitution? Oui, comme tu sors le matin, tu reviens le soir, tu fais mine comme si tu partais à l'église. Ce n'est pas... Où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour préparer cette nourriture? Réponds-moi, où est-ce que tu as trouvé de l'argent? Si tu ne me réponds pas maintenant là, je jure, tu verras ma deuxième face. Où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour préparer cette nourriture? Hein? Qui te l'avait donné? Je te pose la question. Qui? Attends là-bas. Idiote. N'importe quoi. Lucifer. Animal. Voisin, calme-toi. Pourquoi je dois me calmer? Sois calme. C'est quoi ton problème? Écoute, peu importe ta colère, essaye de faire un peu de ton mieux, de calmer tes nerfs. Parce que ce que tu peux détruire peut être grand, plus grand que ce qui t'a causé les problèmes. Honnêtement. Que cela veut dire? Hein? Quel est ton problème dans cette affaire, monsieur? Calme-toi. Calme ta colère. Ah, sois calme. Viens. Parlons. Tu vois les femmes telles qu'elles sont. Hein? Avec ce genre de colère, tu peux détruire quelque chose de grand, lui faire même du mal. Je vois. Oh! Alors c'est toi qui lui dis ce qu'elle doit faire, c'est ça? Je ne comprends pas. Oh! Alors c'est toi qui lui avais donné de l'argent pour se comporter de cette façon, c'est ça? Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Ça va? Ok, je sais quoi faire. Je ne te blâme pas. D'ailleurs, quitte devant ma porte. Vas-y devant ta porte. Regarde, je. Mon frère, ce que je vis, c'était anormal avec cet homme. Il a failli me tabasser aussi. Tu allais avoir des coups. Eh oh. Ekene? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, si j'entre dans cette parcelle à tout moment, je me rappelle que c'est bâtard qui s'appelle de lui-même Ejike habite dans la même parcelle que moi. Je sens la colère de tuer quelqu'un. Tuer? Tu dis tuer? Meurtre, si tu veux. Oh, mon frère, ce serait pitié.
Ça sera pitié, oh. Rappelle-toi que c'est tué. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Ne permets pas que la stupidité de quelqu'un te rend un célèbre. Cela, c'est la famille d'Ejike. Laissez-les faire les choses de la manière dont ils veulent. Est-ce que tu peux imaginer? Hein? Imagine, cet animal me soupçonne que c'est moi qui dis à sa femme de mal comporter, bien qu'il est dans sa maison. Ça, c'est la soupçon. Hein? C'est rien que soupçon. De toute façon, je sais quoi faire. Hmm? Tu dis, je sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Hey! Oh! Ha! 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 Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Pas de problème. Ekené, attends. Ekené, attends. Ne dis pas que je sais quoi faire. Nous sommes ici à deux. Les yeux dans les yeux. Uh-huh. Tu sais, toutefois, quand j'ai besoin de te dire la vérité, je veux que tu me regardes dans les yeux. Ekené, laisse cet homme libre. Laisse-le diriger sa maison. Ekené, laisse cet homme libre. Ekené, laisse cet homme libre. Tu es vraiment important pour moi. Vraiment, tu es très important pour moi. Ekené, écoute ce que je te dis. Laisse tomber ta décision. Hmm? Ouvre la porte et entrons pour manger. Il n'y a rien qui m'empêche pour te dire la vérité. Tu sais, je suis venu à toi parce que je sais que tu as la solution à donner à ces problèmes. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien, il n'y a pas de problème, mais ça ne manque pas là où les gens vivent. Ah. Ton ami, Ejike, me cherche le problème. Et je vais le lui donner double si il ne se respecte pas. Hey, Ekené, s'il te plaît, calme-toi, hein? Calme-toi, mais ça ne peut pas arriver à ça, non? Laisse-moi savoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ce jour-là. Il chassait sa femme, cherchant à la frapper. J'ai décidé d'intervenir en tant que bon voisin. Et il a commencé à m'insulter que c'est moi qui donne à sa femme de l'argent, que c'est cet argent qui fait que sa femme se comporte mal. Ah, ah, pourquoi, hein? Pourquoi va-t-il faire ça, hein? Pourquoi va-t-il faire ça? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais parle-lui. C'est bon alors, je vais lui parler, ne t'inquiète pas, ok? Je vais lui parler. C'est bien de le faire. Parce que prochainement, je ne le supporterai plus. C'est bon alors. Ça va. Je te promets que tout ira mieux. Ok, c'est bon, ça alors. Va, ça va, pas de problème. S'il te plaît, essaye de te calmer, hein? Je veux lui parler. Hein? Je veux lui parler. Hey, Lucie, la fille splendide, tu es vraiment jolie. Comment tu vas et ton mari? Si tu veux m'insulter, s'il te plaît, fais-le seulement. Je vais très bien. C'est quoi cette histoire que je suis belle? Dis-moi, est-ce que je suis belle comme ça? S'il te plaît, écoute, tu ne comprends pas. Et mon mari n'est pas à la maison. Comprendre quoi? Y a-t-il un problème qui n'a pas de solution sur cette terre? Si ton mari croit qu'il va te faire souffrir de la sorte, ne t'en fais pas, j'ai un antidote. Sois juste calme, la solution est trouvée. L'antidote? Oh, s'il te plaît, vas-y, dis-moi, c'est quoi cet antidote? Je ne sais pas des efforts que tu conjugues pour ça, oh, mais je t'ai dit que je connais quelqu'un qui peut te trouver une solution d'appel des temps. Hmm? Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Vas-y, explicite bien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si dur là à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun oiseau qui peut voler sans exposer son corps. Ou tu penses que nous ne savons pas que tu pars visiter Babala pour le problème de ta famille? C'est quoi Babala? C'est qui est Babala en question? Le féticheur. Comment tu fais des choses comme un petit enfant comme ça? Moi, m'emmener chez un féticheur? Qui t'a dit ça? Regarde, hein, j'essaie juste d'être une bonne amie. Tu n'es pas une bonne amie. Ne le redis plus. Et Cousinia, tu n'es pas une bonne amie. Une amie peut me conseiller à le faire? Non, je te comprends pas. Arrête d'être responsable. Tu crois que l'homme qui t'a amené là-bas ne nous avait pas parlé de ça? Il nous a dit. De quel homme veux-tu me dire? Dis-moi, où exactement m'avait-il vu? À côté de la forêt, juste à côté où vit Baba Djoké. Tu crois que nous ne connaissons pas? Arrête ça, non? Rose, j'aimerais... Il n'y a rien à parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux partir?
Il n'y a vraiment rien qu'on peut se parler maintenant. Mais qu'est-ce que je fais? Ce qui est bon est bon. J'essaie juste d'apporter la solution. Tu essaies de faire quoi? Tu essaies de faire quoi? Oh, Rose! S'il te plaît, je suis tellement, tellement de bonne humeur. Parce que Jésus-Christ est en moi. As-tu compris? Alors je n'ai rien à foutre avec toi maintenant, s'il te plaît. Tu as vu? Ça, c'est ce qui est bon pour bon. J'essaie d'aider une amie et tu me chasses de ta maison. J'essaie juste d'aider. Rose, sors. Je pars. Rose, vas-y, je suis venue. Je dis que tu sortes maintenant. Et je m'en Allez, vais. Vas-y. Mais Rose, quand tu seras prête, tu vas revenir vers moi parce que je sais que tu aimes ça. Rose. Ah. M'emmener chez un féticheur. Hey. Alors c'est Kiné qui t'a stoppé en cours des routes pour vomir ces bêtises. Fallait au moins voir la manière dont il était fâché. J'ai m'inquiété énormément parce que c'était de la femme d'une autre personne qu'il était en train de parler. Mais pourquoi est-il si intéressé à fouiner dans ses affaires? Pourquoi? Il y a quelque chose qui se cache derrière ça que le ciel n'arrive pas à voir. Vraiment, Ekiné a dépassé ses limites dans cette affaire. Bien, je crois finalement que je dois appeler la police parce que ce problème commence à surpasser. Je ne peux pas le faire. Quand je finirai avec lui, il sera le premier à appeler la police. Un fou comme lui, il croit qu'il a une leçon à me donner. Mon cher, fallait au moins voir la manière dont il m'avait fait tourner la tête. On verra. Pardon, ouvre la bouteille de savin. Oh oui. J'étais juste en attente de ce moment intéressant. Tu attendais que ça? Je te dis la vérité. Pourquoi ça doit te prendre trop de temps pour ouvrir la porte? Hein? J'étais très occupée. Tu étais tellement occupée, tu n'attendais pas quand je frappais? Parce que je bougeais en frappant la porte depuis très longtemps. Hein? J'étais Pourquoi à tu as pris du temps? Non. Un instant. Pourquoi tu t'es renfermé à l'intérieur? Tu cachais qui dans cette maison? Qu'est-ce que tu veux dire par qui était ici? Je pose la question. Qui es-tu caché dans cette maison? Tu fais que tu me gardes là à l'extérieur depuis longtemps. C'est qui? Dis-moi maintenant. Mais quel ridicule es-tu en train de dire? Oh, ridiculisé? Bien. Attendons voir ces ridicules. Que nous cherchons le moment où je vais entrer là-bas et le chercher. Découvrons-les. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais verser ma colère sur toi. Mais pourquoi est-ce que c'est tombé ainsi, mon Dieu? Ok. Tu dois jouer la première. De quoi est-ce que tu parles? En passant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Ekiné? Quel Ekiné? Combien de Ekiné connais-tu? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Ekiné? Et dis que tu m'embarrasses. Je t'embarrasse. Franchement. Écoute, Lucie, si tu ne veux pas parler maintenant, crois-moi, ce qui va se passer sera pire que l'embarrassement. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Ekiné? Comme tu ne veux pas me répondre. Life come by, you come by, life come by. Ekiné, comment la femme de ton ami, ça fait longtemps, je n'entends rien de lui. Celui-là, ces putes. Oui, il doit être là. Je ne suis plus à l'aise là où je suis. Je vais m'en charger de lui s'il ne veut pas changer pour devenir un être humain et se conformer comme il faut. Ekiné, toutefois quand je t'appelle pour te dire la vérité, je veux que tu me regardes les yeux dans les yeux.
Je veux que l'on se fixe les yeux équenés. Laisse cet homme libre. Ça, c'est sa famille. Il peut la diriger de la manière dont tu le veux. Et il n'y a rien que tu peux faire à propos. Tu comprends ça? Oui, je le sais. Maintenant, Ekene, laisse-moi un peu te poser la question. Est-ce que tu connais que cette femme, c'est sa femme? Oui, je connais. Tu connais? Oui. Comme tu connais, mon frère, fais attention. Attention. Il a le droit de contrôler sa famille de la manière dont il veut. Parce que... je ne veux pas que tu partes en prison. Ou mourir même par la pendaison. La façon dont je te vois, si tu fais ce que tu décides de faire, Ekene, et cet homme meurt, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Mon frère, tu as raison. C'est bien. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Ça fait longtemps que tu es avec moi ici, depuis que tu as laissé ta maison, n'est-ce pas? Hein, c'est pourquoi je ne devais pas te dire la vérité parce que j'ai évité ma maison. Que j'ai toujours payé parce qu'il y avait un petit problème. Un petit problème. Oui. Est-ce que tu as une autre place où tu peux aller avoir un repas libre? Tu l'as? Je n'en ai pas. C'est bien. Si je l'avais, je ne devais pas être Est-ce que tu as assez de l'argent pour avoir un nouvel appartement? C'est quoi ça encore? Parce que j'ai essayé de te dire vraiment la vérité. Si j'avais assez de l'argent pour un autre appartement, pourquoi suis-je ici? Les dangers sont partout. Très bien. Alors, tu souhaites continuer de vivre avec moi ici? Oui, 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 je souhaite rester ici. Mais je sais que j'aurai l'argent bientôt. Je m'engagerai. Mais à cause de ça, je ne veux pas que tu cours derrière le danger. Peu importe ce que tu dis, je vois le danger, le danger, le danger. Mon frère, inutile de crier. C'est toi qui évoques le danger ici. Non. C'est toi qui causes des problèmes. Hein? Écoute, laisse-moi te poser la question. Tu crois que nous serons ici tous si ça arrivait qu'Eddie ait tué sa femme? Ou tu penses que tu peux avoir une autre explication à fournir à la police au cas où cela arrivait? Oba, c'est exactement ce que moi j'essaye d'éviter. Et le plus tôt fait serait le mieux pour nous. De toute façon, merci pour le conseil. Tous ces Français que tu parles, c'est mieux que cet homme tue sa femme avec ses mains. Plutôt que tu pars tuer cet homme, qu'on vienne nous arrêter ici. Si ça arrivait que cet homme tue sa femme, je fuirai. Et c'est lui qui serait arrêté. Tu me dis ce que moi je ne sais pas. Acheter la bonne nourriture, tu ne veux pas parce que tu me donnes la nourriture et tu m'héberges. Ne t'en fais pas, bientôt j'aurai l'argent et j'irai chez moi. Même si tu te fâches, moi je continue à boire ces vins. Lucie, tu es maintenant jolie. Gina, ses cheveux. Arrête de me flatter. Non, je te flatte pas, je suis sérieuse. Regarde comment c'est joli. C'est vraiment parfait. Es-tu réelle, tes cheveux? Oui. Tu veux m'insulter, fais-les autrement, s'il te plaît. Non. Lucie, je vais te poser une question. Mais s'il te plaît, ne te fâche pas. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à faire avec Ekene? Ce genre de questions comme ça? Je voulais dire Ekene, ton petit ami. C'est quel genre de questions embarrassantes comme ça? C'est vraiment un embarrassement total. Non. C'est une insulte. Comment peux-tu me dire ça? Arrête de ne pas me comprendre. Je t'ai posé la question par rapport à ce que ton mari et son ami Peter m'ont demandé hier. Tu parles de mon mari? Oui. Édiqué, lui vraiment? Mam. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont vraiment dit? Ils m'ont fait comprendre que maintenant Ekene est ton petit ami. Et il est prêt à combattre n'importe qui, même ton mari, juste pour te protéger. Ah mon Dieu. Gina, arrête. Mon Dieu. Ah Gina. Gina. Pourquoi est-ce que ces gens sont en train de me réduire? Non! Dis-moi, ai-je l'air d'une prostituée? Arrête! Ai-je l'air d'une toilette publique? Arrête! Dis-moi, ai-je l'air d'un chien? Ils pensent de cette façon à cause de l'attachement que tu as avec Ekene. Et je pense que ton mari n'a pas un problème, mais c'est Peter! Mais s'il a quelque chose contre moi, dis-moi, s'il a quelque chose contre moi, pourquoi aller vite dans cette conclusion? N'est-ce pas qu'un homme doit prendre la part de sa femme? Ok,
Je sais que c'est très mal ou une insulte pour tous ceux qui sont en train d'entendre à l'extérieur. Mais... Ok, ok, c'est bon. Je ne veux plus me sentir mal. Non, je ne peux pas. Même s'il a pris quelque chose de moi à l'extérieur, il ne peut pas vite conclure. Il a dit... Il est mon mari et il est censé me protéger. Je sais, mais il a dit que Kenneth... Pourquoi même suis-je mariée? Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse, Gina. Pourquoi ce mariage? Pourquoi? Je ne suis jamais heureuse dans ma maison, je n'arrive plus. Gina, je ne peux pas faire ça. Il n'y a rien entre moi et Kenneth. Il n'y a rien, je te jure. Mon mari ne peut pas me protéger s'il entend ce genre de bêtises. Il a dit que Ekene ne jamais calme à chaque fois que lui, il te tape. Et il a dit à Peter de le mettre en garde. C'est ce qui l'a poussé à faire une conclusion. Pourquoi est-ce que tu prends sa part? Je ne prends pas sa part. C'est bien. Toutefois, je n'ai rien à faire avec Ekene. Je n'ai rien à je faire sais. Avec... Non, je ne sais. Sais pas. Lucie, je sais. Et d'ailleurs, je leur ai dit qu'ils sont en train de t'accuser à tort. Parce que je sais que tu ne feras jamais une telle chose. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Imagine l'homme qui est censé me défendre, mon mari. L'homme que j'appelle mon mari. Je ne suis pas mariée. Ne m'appelle plus jamais une femme mariée. N'ose plus, je ne suis pas mariée. Lucie. Je ne suis jamais heureuse. Lucie, jamais. Lucie. Je ne suis pas mariée, moi. Calme-toi. Je suis tellement exposée à chaque fois, je ne sais plus quoi faire. Tu iras mieux. Des choses pareilles arrivent. C'est impossible. Je suis à les marges, je n'en peux plus. Mais tu iras bien. Je suis désolée. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me suis jamais réjouie de mon mariage, même pour un jour. Qui en est le responsable? M'a-t-il épousé pour me frustrer et me maltraiter? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça, Dieu? Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Interviens dans cette affaire. Ça ne peut plus continuer ainsi, s'il te plaît, mon doux Jésus. Père, combat pour moi. Je t'écoute. C'est quoi ce que tu veux dire? Mon mari. J'imagine devant toi aujourd'hui pour te demander pardon. Si j'étais offensée par un moyen quelconque, pardonne-moi. Je ne veux pas du tout te manquer du respect ou ne pas être loyale à ton égard. Alors pardonne-moi, je me suis agenouillée devant toi, s'il te plaît. Pardonne-moi, je t'en prie. Gina m'avait parlé, ce que tu lui avais dit. Je suis là pour te dire aujourd'hui que je ne suis pas ce genre de fille. Je ne serai jamais déloyale à ton égard. Tu avais fait ton choix sur moi et je ne peux jamais tomber amoureuse d'un autre homme, jamais. Je n'ai rien à faire avec Ekene. Tu es mon mari et c'est devant toi que j'ai juré que je veux rester avec toi tout le reste de ma vie. S'il te plaît. Mes parents n'ont pas pu m'envoyer à l'école, mais toi, tes parents t'ont quand même soutenu dans tes business et ça se passe très bien.
Pourquoi ne pas gérer nos propres affaires, nous deux, s'il te plaît, mon mari? Tu ne manges même plus ma nourriture. Tu ne dors même plus avec moi sur le même lit. Mon mari, qu'est-ce que je fais? S'il te plaît, je suis désolée. Je n'ai pas besoin d'être offensée, s'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, revenons ensemble. Laisse-moi encore être ta femme. Ekene, s'il te plaît, je veux encore être ta femme. Ekene, je veux être ta femme. Je veux être celle-là, celle-là que tu avais épousée. Je veux être cette fille, s'il te plaît, Ekene. Ekene, est-ce qu'il y a-t-il un moyen pour que tu me pardonnes et que redevienne ensemble, même pour une fois, je t'en prie, mon homme. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais qu'est-ce qui se passe, non? Qu'est-ce qu'il y a avec mon mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller, ça va aller, madame. Laisse-moi, mais ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Ekene, mon Dieu. Ekene, viens, viens, mon mari, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, dites-moi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi d'abord, tu vas te secourir. Calme-toi. Oh, mon Dieu. Oui, nous sommes presque arrivés. Doucement, doucement. Oui, mettez-le ici, mettez-le ici. Oui, ici, ici, ici. Oh, je te mets un peu de l'air, mon amour. Je te mets un peu de l'air. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Seigneur. Oui. Mon amour. Mon amour. Ça va? Mon amour. Il a juste besoin de se reposer. Tout ira mieux. Qu'est-ce qui lui est arrivé, non? Hein? Quelqu'un peut me parler? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi. Peter est disponible pour te répondre. Peter! Oh, bien. Et il m'avait appelé. Il m'avait appelé pour m'informer qu'il avait perdu un contrat et que je devais le rencontrer quelque part. Et arrivé où on devait se rencontrer, je m'étais décidé de prendre la boisson pendant que nous serions en train de parler de ça. Et juste après un instant, il a commencé à mal réagir. Je l'avais trouvé un peu nouveau. Et puis il était troublé. Mais ne t'inquiète pas, je sais qu'il ira mieux. Tu vois? Tu vois? Pourquoi ne perd-il pas les contrats? Et prendre l'alcool jusqu'à ce niveau. Je sais très bien que sa femme n'est pas contente de lui. Que veux-tu dire? Tu sais ce que je vais dire. Oui. Hein? Tous nous savons qu'il n'y a pas la compatibilité entre son esprit et celui de sa femme. Ça veut dire? Cela veut dire que ça s'est laissé voir toujours qu'il va perdre le contrat et ses connexions. Oh non. Tout simplement, sa femme n'est pas contente de lui. Ah, mais ça suffit tout ça. En plus, je vais dire qu'il a un ami, un mauvais ami comme toi. Comment oses-tu m'appeler comme ça, Ekene? Comment oses-tu? Je vais te qualifier comme ça encore, encore et encore. Tu es inutile. Tu appelles aussi sa femme sorcière. Oh! C'est toi qui m'as traité de sorcière, mais Dieu va te juger un jour. Il va te juger, Peter. N'essaie même pas de l'écouter. Ne t'occupe même pas d'Ekene. Donc c'est ce que tu essaies maintenant de mettre dans sa tête? Non, tu fais mieux encore de prendre ton temps. Peter, prends ton temps. Je vais te dire que je sais que c'est toi qui l'es trompé avec les mensonges concernant. Est-ce que tu peux la fermer? Ça veut dire quoi tout ça? Comment oses-tu? Pourquoi dois-je pas dire? Pourquoi peux-tu le dire? Pourquoi n'ai-je pas? Pourquoi n'ai-je pas? Peux-tu la fermer? N'ose plus. C'est quoi ton problème? Ekene, fais très attention. Fais très attention. La prochaine fois que tu oseras encore. La prochaine fois que tu oseras encore, je t'assure. Thank you.
ça fait un bail. Comment vas-tu, dis-moi? Oui, ma chère. Notre peuple a dit, quand les autres te rejettent, ne sois pas rejetée toi-même. Je ne comprends pas de quoi est-ce que tu parles. Qu'est-ce que tu dis? Par... Attends d'abord. Tu sais que je ne t'avais pas chassée, n'est-ce pas? J'avais juste corrigé tes propos. Je croyais que c'est déjà passé. Ça, ce n'est pas pourquoi je suis ici. J'entendais dire que Peter était ici. Oui, bien sûr. Tu m'avais aussi traité de sorcière, mais c'est pas grave, c'est déjà passé, t'inquiète. Laisse-moi comprendre cela. Tu es maintenant prise comme un sac de boxe par l'homme que tu appelles ton mari. Et maintenant, son ami commence et il te traite d'ailleurs d'une sorcière. Qu'est-ce qui t'arrive, Lissy? Hein? J'ai dit que c'est rien, parce que c'est rien. T'inquiète, je vis avec, c'est pas grave. C'est rien. Même Peter a le courage de t'attaquer. C'est pas croyable. Qu'est-ce que je devais faire? Chasse tes amis de la maison, surtout les mauvais. Et fais en sorte que ton mari soit loyal et un bon homme africain, hein? Rose, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais que tu connais ces choses plus que moi. Vas-y, explique très bien parce que je ne comprends rien du tout. C'est rien du tout, mais les Africains font que des choses aillent mieux. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, explicite bien. Je suis là, je t'écoute. Les fétiches? Quoi? Lucy, Rose. Le fétiche, s'il faut que je dise comme ça pour que tu comprennes. Es-tu folle? Es-tu malade? Lève-toi! Dégage! Je dis, sors de chez moi! Je veux partir de ta maison. Dégage! Mais avant que je ne parte, mais je vais te poser une question. As-tu vraiment envie d'être avec ton homme? Tu le veux? Et je suis sûre qu'il ne sera pas fâché si c'est moi qui sortais avec ton mari. Parce que de cette façon, tu vas perdre ton homme. Tu ne comprends rien. Allez, je dis, sors! Ne reviens plus! Hey, je te blâme pas, oh. Franchement, je ne te blâme pas du tout. N'importe quoi. Reviens encore ici. Bon après-midi, mon mari. Qu'est-ce qui est bon à propos de l'après-midi? Hein? C'est arrivé jusqu'au point que tu vas dire à l'annonciateur de crier à mon nom partout? Hein? C'est à cause de toi que mon nom circule partout. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu ne comprends pas ce que je vais dire. Comment tu peux comprendre? Tout ce que je vais faire ou dire dans ma maison, tu es toujours occupé à l'église. Moindre chose qui se fait ici, c'est annoncer à l'église. De quoi parles-tu? Est-ce que le révérend vit ici, dans la même maison que nous? Hein? Comment c'est arrivé? Il m'a tout dit, sauf rien, de ce qui se passe dans ma maison. Je lui avais juste raconté ce que je vis dans mon mariage pour qu'il prie pour moi. Qu'il prie pour toi? Tu lui as dit également que tu n'as pas encore mis au monde. Hein? Tu penses que je ne sais pas que ton plan est de s'assurer que je ne deviens jamais un père des enfants? Je pars. Tu es en train de manger? C'est quoi ça, bêtise? J'aimerais poser une question, Ejike. Maintenant? Oui, juste maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la femme tombe enceinte d'elle-même? Non. C'est l'homme qui le fait. Pourquoi?
Alors, en gros, c'est moi éduqué. Vas-y, fais-le. Tu es un homme et non un bébé. Oh, oh, bébé. Mais tu sais que j'essaye. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait ce qu'il faut faire. Tu le sais bien. Je veux dire, j'ai fait des nuits blanches à cause de cette situation. Essaie encore autrement. Essaie autrement. Ce n'est pas très difficile. C'est juste que tu n'arrives pas à essayer. Tu n'essayes pas. Ok, j'essaierai de mieux faire. Ok? Ça suffit, calme-toi. Regarde, mes amis là à l'extérieur ont déjà des gros ventres. Mais moi qui suis mariée, jusque-là, il n'y a encore rien. Vas-y. Je n'aime pas ça, je ne me sens pas confortable. Calme-toi, calme-toi bébé. Ok? Tu sais que je t'aime beaucoup. Hein? Juste sois calme bébé. Ça va aller bébé, ok? Dormons calmement. Ça va aller. Ok? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du tout contente de toi, Rose. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu as envie de détruire le mariage de quelqu'un? Quel mariage? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Celui de Lissi, bien sûr. Excuse-moi, comment? Elle m'a dit que tu veux qu'elle aille voir un féticheur, Rose. C'est vrai ça? Pour que son mari puisse devenir loyal envers elle? Et au-delà de tout, pourquoi dire que tu vas sortir avec son homme si elle ne l'avait pas ensorcelé? Si ce n'était pas parce que tu es proche de notre famille, je n'allais même pas te parler. Tu n'as pas remarqué la façon dont elle dit qu'elle la traite comme un moins que rien? Ça te plaît? C'est seulement une bonne amie qui peut trouver une solution. La solution? Rose, tu appelles sa solution au problème? Tu as un démon, Rose. Et je pense que je dois informer Dicky à propos de ça. Attends, non? Quoi? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Sois calme, non? Je t'en supplie au nom de Dieu. Dieu? Quel Dieu, Rose? As-tu pensé à Dieu quand tu parlais, tu ouvrais ta bouche comme un rat? Tu t'es souvenu de lui? Rose, réponds-toi, Rose, parce que Dieu est en colère contre toi. Voilà pourquoi tu ne t'es pas encore mariée jusqu'à nos jours. Ekajirike moa ejike, value what you have, oh ejike ejipanike moa, life gamba ya egamba ya, life gamba ya, life gamba ya. Ejike, ejike moa, ejike, ejipanike moa, ejike, ejike moa, ejike, ekajirike moa. Non, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps. Il y a longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis très heureuse de te voir. Où étais-tu? Ma soeur, ça fait très longtemps. Ça fait vraiment très longtemps. Regarde comment est-ce que tu as changé, hein? Je pense. Tu es vraiment toute belle.
Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais bien. Ça fait très longtemps que je suis allée là-bas au village. Et je suis sûre que je leur manque. Ah, bientôt j'irai là-bas. Tu nous manques tellement. Tu manques à tout le monde. Ma chérie, tu es toute belle, je te dis. Ah, regarde ta robe. Regarde la mienne. Hein? En tout cas, je te dis, vas-y, regarde. Regarde bien ta tenue. Cette robe ici, je suis sûre que ça coûte dans le 300 000. Je te dis, veux-tu le nier? Ta robe est belle. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Arrête, si je veux savoir celle qui est en train de se débrouiller, c'est bien moi. Ce n'est pas facile dans cette ville de Lagos. Ce qui est sûr, on est en train de se débrouiller, ma chérie. Vas-y, dis-moi, comment va ma mère? Elle va bien, oh, elle va bien. J'étais avec elle avant-hier. Elle est bien, tout le monde est bien. Es-tu sérieuse? Oui. Elle va très bien? Elle va bien, tout le monde est bien, tout le monde va bien. Il n'y a pas de problème. Oui. Je vais bien. Es-tu sûre que ça va? Oui, je vais bien. Tu ne vas pas bien pour moi? Moi, je vais bien. Es-tu sûre que ça va? Oui, je vais très bien. Ça fait très longtemps. Hein? Allons nous asseoir quelque part comme ça. Nous allons parler un peu longuement. J'ai tant de choses à te relater. Oui, tu as beaucoup de choses à me dire. Oh oui, d'accord, allons-y. Je pense qu'il y a un endroit quelque part. C'est bon, allons-y. Nous asseoir pendant un long moment. Viens. De toutes les façons. Azino, j'aime pas son comportement du tout. Tu vois ce qui vient de se passer ici? Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que c'est la vérité. Hey! Azine, je ne croyais pas la rencontrer. Quelque chose doit être fait au maman. Quelque chose doit être fait. Donc, tout ce gris que Jika est en train de faire ces derniers temps, c'est pour tuer ma fille? Ou me détruire, ça ne marchera pas. Hey, tu vois Njideka. Njideka va me sentir. Ce village ne saura pas nous contenir, Njideka et moi. Il me cherche. Tu verras ce que je vais le faire. Maman. Hey. Maman, il m'avait dit de ne pas te dire. Mais j'ai dit comme étant sa sœur, dans ce village... C'est pourquoi je m'étais dit de vous dire, maman. Quelque chose doit être fait, maman. Oui, c'est vrai. Quelque chose doit se faire à propos de ça. Et c'est moi qui dois le faire. Pas de problème. Merci. Sans problème, maman. Merci beaucoup. Je sais quoi faire. Sorcière! Ah! Sorcière! Mandova est une sorcière! Ma belle! Regarde-le! Qui t'a provoqué? Tu ne sais pas? C'est bien toi et ton sorcier de fils qui m'ont provoqué! Voilà, c'est ça! Je ne peux pas être la belle-mère d'une sorcière! Pourquoi est-ce que tu me traites de la sorte? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Hey! Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Toi et ton fils avez amené ma fille jusqu'au mariage! Pour qu'elle devienne votre esclave, c'est ça? C'est quoi? C'est quoi les A1, non? Qu'est-ce qu'il y a des A1? Donc, derrière ton fils, il y a la timidité, l'humilité et la mauvaise foi? Oga, ma belle. Guignogné. Calme-toi et dis-moi ce qui se passe. On peut le résoudre. Résoudre quoi? Oui. Que je punisse cette résolution. Belle-mère. Que je t'explique quoi? Écoute, regarde. Jideka, si tu sais ce qui est bien pour toi, va avertir ton fils d'arrêter de maltraiter ma fille. Hein? Sinon, tout ce village entier saura qui je suis. Attends, tu verras et tu vas comprendre. Ah.
n'importe quoi. Des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Ce n'est pas ce stupide beau-fils que tu as. Éduqué. Il m'a juste rappelé que j'ai été stupide d'accepter que ma fille l'épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu connais aussi? Hein? Choma Mwobi. Qui est allé en ville et en rentrant, elle est venue directement à la maison. Et m'a dit comment ma fille, Lucie, est en train de finir dans la maison d'Ediké. Oh. Choma Obi. Comment elle a su ce problème? Dis-moi. Tu vois pourquoi j'aime pas discuter des choses importantes avec toi? Hein? Tu es toujours comme ça, tu doutes de tout. Te parler, c'est juste une perte de temps et d'énergie. Elle m'a dit que Lucie, c'est suffit d'elle-même. Pourquoi alors l'avoir épousée? Ok, pas de problème. Je demande parce que je connais ma fille. Oui, parce que la personne qui peut parler correctement devait être un monstre de lui-même qu'une autre personne. Hein? Ok, éduqué. Éduqué, c'est ce monstre. Hein? Éduqué est né. De toutes les façons, ce que tu dis là, ça te concerne? Tu es là, il faut écouter. Quand je viens te dire ces choses, hein, c'est pour que tu ailles là-bas pour les avertir. Va les avertir, oh, parce que si j'allais là-bas, si seulement j'allais là-bas, je te dis, tu auras de mes nouvelles. Alors, en tant qu'homme, va là-bas. Va les avertir. Ok, je sais. Je dis tout ceci parce que je connais bien ma fille. Parce que la personne qui fera ce que, qu'elle soit au courant de ses problèmes, ça doit être le même, pas une autre personne. Je sais. Nine. Nine. Je suis dans la douleur. De l'heure? Naïe, en effet. Si je te dis ce qui s'est passé aujourd'hui, les genres d'insultes que j'ai reçues provenant de ma belle-mère Kate, tu ne vas pas y croire. Kate, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je revenais de la réunion, j'avais rencontré Kate en cours de route. Hein? Je voulais la saluer comme d'habitude en tant que belle-mère. Oui? Kate avait commencé à m'insulter. Ah, ah. Naïe, ce qui est sûr, cette femme a commencé à m'insulter tout ça à cause de notre fils Ediké. Ediké? Oui. Ediké, oui. Ediké. Non, j'avais prévenu Ediké. J'avais supplié Ediké. Tout ça n'était pas suffisant. J'avais même conseillé Ediké en tant que notre fils d'oublier tout ce qui concerne la fille de Kate. Qu'il la laisse tranquille. Que Ediké parte chercher une autre fille dans cette communauté pour qu'il épouse. Mais Ediké avait refusé. Il y avait même quelques filles ici. Mais Ediké avait refusé catégoriquement. Il avait décidé de mettre cette famille dans ses pétrins. Regarde comment Kate est en train d'insulter tout le monde. Imagine un peu, juste cette Kate ordinaire. C'est l'amour. Ediké a dit qu'il aime cette fille. C'est quel genre d'amour, ça? Bien, c'est ok. D'accord, c'est bien. S'il te plaît, essaye de te calmer, d'accord? Tu sais, tel qu'on le dit toujours que les choses passées ça, ne reviennent jamais. Parfois, je commence à m'inquiéter parce que le caractère que Kate affiche n'est pas vraiment digne d'une servante de Dieu. Mais là, c'est compliqué. Bien, essaie de calmer. Laisse-les aller. Ediké doit venir ici pour nous dire ce qui se passe exactement. Sinon, tu vois cette terre, ça ne sera pas suffisant pour moi et Kate. Je montrerai à Kate de quoi je suis capable. Elle ne va pas du tout me contenir. Assez, c'est non, assez. Non, pas arriver là-bas. Je dis qu'assez, c'est calme assez. Toi, d'abord, calme-toi. Je chercherai Ediké. Je vais le faire venir et il va venir et on saura ce qui s'est passé. Ah, ah. Avant qu'on commence à blâmer des gens ainsi de suite. Donc, Naï, tu refuses d'aller voir Mazé, Dika? Hein? C'est quand notre fille mourra que tu iras leur parler. Ce n'est pas nécessaire. Tu dis? Oui, ça n'a aucune importance. Si ma fille a un problème, je le saurai.
Et c'est alors même que j'irai le voir en famille. Mais sinon, ça n'a aucune importance. C'est rien. Oti, si quelque chose arrivait à ma fille, je vais détruire tout ce village. Pourquoi n'enlèves-tu pas la main d'un singe dans l'assiette de la soupe avant qu'il ne la prenne pour une banane? Hein? Ne sais-tu pas qu'on va le faire quand tu l'es chaud? Pourquoi tu ne comprends pas? Femme, laisse-moi lire mon journal calmement. Laisse-moi calme. Laisse de crier une fausse alarme. Ce n'est pas bien. Hein? Tu as dit que ça, c'est une fausse alarme, c'est ça? Fausse alarme. C'est une fausse alarme, c'est ça? Donne-moi ça, dit. Fausse alarme. Hé! Hey. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Pourquoi il ne réfléchit pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Hein? Ça, c'est quelle bêtise! Ekweme. Hey! You are the living God. Hey, mon Dieu! There's no one like you. Aïe! Hey! D'où est-ce que je viens? Je vais où? Laisse-moi un peu raisonner. Où est-ce que je pars? Qu'est-ce que je vais dire à mon gars? J'ai bu seulement un peu et je vois seulement la fumée dans mes yeux. Qu'est-ce que je vais dire? Akweme. Tu es le Dieu vivant. Aïe! No one like you. Et mes jambes sont devenues lourdes. Je n'arrive plus à marcher. Qu'est-ce que je vais faire alors? Que je m'efforce toujours pour arriver là où je vais. Toi, boisson, je serai ton ami fidèle jusqu'à la fin de ma vie. C'est difficile de me séparer de toi. Ukweme. Dikita, tu vas bien? Je vois un homme devant moi. Tu es fou? Un homme n'agit pas comme ça. C'est un homme ou une femme qui est devant moi. Qui bloque le passage au roi pour que le roi n'arrive pas là où il part. Dégage. C'est à toi que je parle. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais peu importe ton problème, pardon. Va avec dans cette forêt. Tu as compris? C'est quoi encore ton problème? C'est quoi encore ton problème, maman? Maman? Je ne te supplie pas maintenant. Je ne te supplie pas. Ce n'est pas un problème. Je sais que tu as la bonne foi et la bonne volonté. Tu ne me pardonnes pas. Tu as pris vraiment ma fille et ma femme. Tu l'as eue et tu l'as donnée à cet homme. Je ne te pardonne pas, maman. Eya, la foudre qui va t'abattre arrive bientôt. Comme ça, tu sauras fermer ta bouche. Mamie, vraiment, la vérité blesse. Ça ne peut pas se faire. Moi, la foudre s'abatte sur moi. C'est toi qui la foudre. Non, va maman, la foudre va abattre cet homme qui a engrossé ma femme et qui l'a caché là-bas. La foudre va l'abattre. Je te l'ai dit, maman, je te l'ai dit. Je ne comprends pas. Mais c'est quoi ça? Où est cette foudre? Hein? C'est dans le ciel. Mais attends, comment sais-tu ce que tu es en train de dire? Maman, je t'ai dit la vérité. Maman, tu ne m'as pas répondu. Dis-moi que tout ce que je t'ai dit là, je l'ai ramassé dans les airs. Je sais que les filles qui mettent au monde viennent toujours du ciel. Où est-ce que tu verras la grossesse? Ce n'est pas possible, mamie. Mais quand je tourne dans les airs, je vois la grossesse. Il y a quelqu'un dans les airs, haï ma femme et l'a rendue grosse. Je sens bien que mamie, toi aussi tu es d'accord avec ça. Je le changerai pour moi. Allez, quitte, l'arrête de me distraire. Oui, je le changerai pour moi. Le changer pour ta vie. N'importe quoi. Regarde-le. Mamie, pourquoi faire comme ça? Tu as pris ma femme Lucie, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre et voilà comment est devenue ma vie. Thank you.
quoi me caches-tu ta réalité? Je vais dire, c'est vraiment étonnant pour moi de vivre avec une étrangère comme ma femme. Je vais dire, je suis sûr, mes beaux-parents, tes parents, ne connaissent même pas qui est réellement leur fille. Oui, je me demande, qui es-tu? Qu'est fait la sentinelle là-bas au portail? Je ne le crois pas toujours. Tu parviens à gérer les hommes âgés et ils deviennent comme des rats. Tu as commencé même à faire des bêtises avec lui et présenter beaucoup d'excuses comme si tu étais une entraîneur du karaté taekwondo. Hein? Tout simplement, il surveillait notre portail. Tu t'es rendu comme une bête et les détruire. Comment est-ce possible? Comment expliquer que c'était toi? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment dire? C'est bien moi. Ok, je suis désolée, mais je ne veux pas regarder cet homme t'insulter de cette façon. Pas du tout. Je ne pouvais pas regarder cet homme t'insulter. C'est de mon devoir de protéger en tant que ta femme. Je veux dire, ça, c'est ma femme qui parle, mais les personnes que j'ai vues au portail, en spectacle de tout cela, c'était une bête. C'est ce que tu es. Alors, n'ose même pas faire semblant. Je ne suis pas témoin de voir comment tu as détruit un homme comme moi. Et je me pose la question, peut-être tu allais me tuer tout ce temps. Je ne peux pas faire ça. Et deuxièmement, je ne suis pas un animal. Je suis ta femme. Il y a beaucoup de choses que tu ne m'as pas encore dit à propos de toi-même. Je veux dire, quel genre de fille que tu es? Possiblement, tu es une machine de tuerie, une soldate. Probablement, tu es venu combattre ton crime. Tu es rentré ici pour m'épouser. Et tu entends un bon moment pour tuer. Hey. Alors, waouh, il y a beaucoup de choses que tu dois me dire concernant ta vie. Parce que je ne connais pas ce que tu es. Qui es-tu? Je suis ta femme. Hey, écoute mon frère, mais je vais te dire la vérité. Imagine ce type, ce vaurien qui haït sa femme avec beaucoup de passion. Alors imagine, seulement sa femme, c'est celle qui l'a sauvée de main d'une autre femme. C'est pitoyable. Écoute mon frère, selon lui, il a trouvé une femme qui a écarté ses jambes en train de pisser. Mais avec ses rires, quelqu'un pense qu'il m'étonne. Et je ne comprends pas toujours. Je ne sais pas pourquoi. Imagine cette dame. Oui. Peu importe le problème que Edike lui fait, elle est toujours collée là-bas. Elle reste vraiment la femme qu'elle est. Quel genre de femme comme ça? Oh bah, tout le monde n'est pas le même. Nous savons ça, mais ça, c'est leur amour. C'est assez. Cette femme souffre beaucoup. Nous savons. Mais je suis content que Edike sait que cette femme n'est pas la seule. Elle joue avec son esprit. tu penses, que c'est cette action peut l'empêcher de lui frapper? Je sais qu'il va se fatiguer. Je sais. Parce que, sachant que cette femme a vraiment de bonnes qualités. Tant que lui-même, c'est un foutu qui n'a aucune qualité. Qui n'est pas fécond. Il n'est pas fécond. toi vraiment, Ekene, tu vois ce que nous vivons. Je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Jamais. Nulle part. C'est vraiment pitoyable. Je te l'ai dit. Tu vois les femmes, mon cher. Fuis-les. Comment? Partout où tu vois la femme, fuis-la. Comment? Tu veux savoir comment?
Donc cette femme faisait mine pendant tout ce temps. Elle est assassin. Et nous ne savons pas que cette femme est une lionne. Une lionne qui s'habille en mouton. Imaginez un peu. Aka, après tout, ça ne peut pas être un semblant. Mais c'est quoi? Écoute, je crois fortement que c'est cette femme qui essaye de donner un minimum de respect à son mari. Tu ne parles pas à l'église. Sinon, va lire 1 Timothée, chapitre 2, versets 12 et 14. Toi-même, tu auras la réponse. Et quel est le pasteur? Pasteur Timothée et Kéné, chapitre 1, verset 14, c'est ça? Attends, j'irai là-bas. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12-14. Je vais aller lire ça maintenant. C'est bien. Mais ça va te choquer. Mais quand je vais arriver sur 1 Timothée et j'ai lu, je trouve que tout ce que tu as dit, c'est faux. Monsieur, prépare-toi. Je vais te donner 4 mois de ne pas prendre les liqueurs ou la bière. La bière. Ah, je vais te l'interdire. Ok. Et c'est pitoyable pour toi. Ok. Et alors, si tu pars là-bas, tu trouves que tout ce que je suis en train de te dire tout de suite là, et rien que la vérité, tu feras ce que tu dis. Tu dis. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est pitoyable. Mon cher, comment ça va? Ça fait un bout de temps que je ne te vois pas. Mon frère. Je devais essayer de survivre à ce que j'avais vu la dernière fois avant de reprendre à venir. Penses-tu que le coup que j'avais reçu de la femme était une crème glacée ou bien la soupe au piment? Je continue à prendre des médicaments. Tu es sérieux? Très sérieux. Et pour être franc, ça m'avait presque paralysé. Parce que le coup avait atterri vraiment sur mon dos, très proche de la colonne vertébrale. Chai. Oh, désolé. Mon frère, oh. Mon frère, désolé, ceci mon n'est ami. Pas un problème de désolé, honnêtement, parce que je ne t'envie pas du tout. Même pas. Je ne t'envie pas. Parce que si tu penses vraiment que ta femme est un problème, alors tu as un très grand problème. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et maintenant tu me demandes? Si j'étais à ta place. C'est le divorce. C'est le divorce qu'il faut. Ou bien es-tu prêt à mourir jeune? Tu crois que c'est facile? Ok, reste là et tu mourras comme une poule. Mon mari. Mon amour. Oui. Je pars un peu au marché. Ok. Rentre avant, pardon. Ok, mon amour. Merci. J'ai pensé que tu avais dit qu'elle n'était pas là. Oui. Je pense qu'elle est rentrée là où elle doit acheter quelque chose. Il a décidé de passer par derrière. Hey! As-tu une entrée par derrière? Oui. Hey! Hey, JK! Hey! Mais attends, Monsieur qu'est-ce Peter, que c'est, hein? Monsieur Peter, Monsieur Peter ou je ne sais qui, c'est toi non? Je suis venu personnellement devant toi pour te demander pourquoi est-ce que tu as décidé, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas la paix chez moi, pourquoi tu choisis être le démon de ma famille et pourquoi tu n'aimes pas que je me réjouisse dans mon mariage, Monsieur Peter, pourquoi tu aimes que mon mari divorce de moi? Madame. Si je me tiens debout là, c'est juste parce que tu es la femme de mon ami. Et je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? Exactement. Oui, je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais bien que tu connais de quoi est-ce que je parle. Je suis sûre que tu le sais très bien. Ou tu fais semblant que je suis en train de dire du n'importe quoi? C'est ce que tu veux dire? Écoute, en tout cas, ce n'est pas vraiment ça. J'étais en train d'aller quelque part avant que tu viennes et que tu m'interrompes. Ceci est une route publique.
Et ce n'est pas pour toi seule. Alors, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas... Ce n'est pas public. Ça ne t'appartient pas à toi seule. En effet, j'ai déjà parlé avec le gouvernement. Pour nous deux. Tu as compris? J'en ai déjà discuté. Et ils sont déjà d'accord. Alors aujourd'hui, c'est pour nous deux. Parce que je suis ici pour te demander la raison. La raison pour laquelle tu veux détruire mon bonheur. J'aime bien mon mari. Et je ne veux pas qu'il divorce de moi. Alors aujourd'hui, je t'apprendrai mon leçon. Pour que tu ne t'intéresses qu'à tes propres affaires, hein? Je ne perdrai pas madame, mon mari. Tu... Et c'est là pas à cause d'un lâche comme je toi. Je n'ai pas dit que tu vas perdre ton mari. Et ce n'est pas que je perds de toi parce que tu es la femme à mon ami. Alors permets-moi d'aller en paix. Laisse-moi que j'aille où j'étais en train de partir. Tu vas m'expliquer aujourd'hui la raison pour laquelle tu aimes détruire mon mariage. Tu es la femme à mon ami. Tu ne partiras pas d'ici. Je suis là devant toi aujourd'hui. Je te montrerai aujourd'hui avec moi. Et ce n'est pas arrivé à ce niveau. Madame. Reviens ici. Reviens ici. Reviens. Mon Dieu! Et JK, tu dois demander à ta femme, pourquoi est-ce que je ne peux pas marcher librement sur une route publique? Ah, Peter, c'est quoi encore? Ah, j'étais obligé de courir pour essayer de sauver ma vie pendant que j'allais au shop. S'il te plaît, je te parle jusqu'en mettant mon ami. Je suis en train de te le dire, parce que si quelque chose m'arrivait, si seulement, même de mots de tête, si seulement quelque chose m'arrivait... Calme-toi. Si seulement quelque chose m'arrivait, je veux la tenir responsable. Calme-toi, ok? Calme-toi. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Je vais lui parler, ok? Pardon. Tu ferais mieux de lui Pardon, parler. Pardon, je t'assure. Parle-lui au... Ça suffit. Je vais lui en parler, ok? C'est bon alors. Ok? Comment à propos de la bière? Ah, tu peux prendre non, c'est un jeu. C'est vrai? C'est un jeu, apporte la boisson. Tu vas prier après où? Ah, mais c'est toi mon patron. Hey! Tu es occupé? Vous ai-je dérangé? Oh. Ah, tu étais occupé, je suis désolée, je ne savais pas. Mm-hmm. Je n'avais pas tiré attention, je suis vraiment très désolée. Je t'ai apporté ta nourriture. Ok. Laisse-moi t'aider. En fait, j'ai laissé de l'eau à la maison parce que je ne voulais pas que ça puisse terminer le froid. Alors, je te l'achète dehors, comme ça je te l'apporte maintenant, hein? Encore une fois, je suis désolée. Désolée, hein? Ah. C'était Lucie. Oh Jésus. Ça, ce n'est pas la Lucie que je connais. Educate, value what you have, oh,
Ejike, Ejipanike moa. Life come by ya. Ma fille, quand tu vas renverser cette eau dans le pot là-bas, et puis tu viens. C'est bon, maman. Maman, je suis là. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureuse. Je dois être heureuse. Okum, appelle-moi Chimobi, pardon. Ah ah, maman, pourquoi donc? Tu es stupide. Hein? Allez, va lui appeler. Fais vite, appelle-lui. Tu me poses des questions inutiles. Maman, vous m'avez appelé. Bon après-midi, ma. Maman, bon après-midi. Choma. Maman. Je ne veux pas croire que tu es jalouse de ma fille parce qu'elle est mariée. Moi, Choma, jalouse. Ha! Maman, non, non. Maman, d'ailleurs, l'état où je l'avais vue n'était pas bon. Quelle situation? Tu continues avec tes problèmes? Hein? Tu as le courage de parler. De quelle situation parles-tu? Tu as vu? Une fille comme toi qui est prête pour le mariage, mais jusqu'à là tu ne te maries pas. Qui a les yeux clairs comme toi là? Est capable de faire n'importe quoi. Tu es capable de détruire le mariage d'une autre jeune fille. Ah maman, calme-toi non? Es-tu folle? Es-tu stupide? Allez, dis quitte ici! Regarde-la! Tu es là debout pour écouter une conversation qui ne te concerne même pas. Et où? Idiote! N'importe quoi! Comme je le disais, quelqu'un comme toi peut partir chez autrui pour espionner. Tu es capable de détruire le mariage d'une autre jeune fille parce que toi, tu n'es pas encore mariée. Maman, pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je le ferai? Est-ce moi je sais? Maman, votre fille est une sœur pour moi. Alors pourquoi dois-je la décevoir? Pourquoi, maman? Je ne sais pas. Parce que la dernière fois que ma fille m'avait appelée, elle avait dit qu'elle allait bien. Elle a dit que son mariage se passe bien. Elle n'a même pas de stress. Pourquoi tu veux détruire le mariage d'une personne? Une personne que tu considères comme sœur? Hein? Qu'est-ce que tu vas gagner? C'est quoi ton bénéfice? Tu vas partout pour dire aux gens que... elle est dans un mariage qui ne va pas bien. Est-ce je mens? Maman, je suis désolée. Je ne m'en souviens pas avoir dit quelque chose déjà à propos de votre fille. Je ne m'en souviens pas, maman. Je ne peux pas. Je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, à propos de ce que votre fille fait, si c'était une autre personne, je n'allais pas agir de la sorte. Quelle intervention? Hein? Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Aucun mariage n'est parfait. Tout le mariage que tu vois a des problèmes. Inclus même celle de tes parents. Si avec ta bouche là, tu n'arrives pas à te taire parce que ta bouche aime bien faire des commérages, va commérer sur le mariage de tes propres parents, non? Va dire à tout le monde sur leur mariage. Ce serait bien pour toi de penser à un homme qui peut venir t'épouser au lieu de t'occuper des affaires des autres. Une petite fille comme toi, ta bouche, c'est ma tcha. Allez, ferme-la, va trouver un homme qui va t'épouser. Maman, désolée, je l'avais... Allez, tourne. C'est bon, maman, c'est bon. Hey! Maintenant, tu vas plus me saluer, c'est ça?
bon après-midi, maman. C'est quoi ton problème? Rien. Tu dis rien? Ok, viens voir, tu ne vas pas manger dans cette maison. Comme tu ne veux pas me dire ce qu'il y a comme problème, on verra ce que tu vas manger. Maman, pourquoi vous avez parlé à Choma comme ça? Est-elle folle de t'avoir donné cette information? Demande Venéo. Tu vas bien? Hein? As-tu amené les légumes que je t'ai demandé d'amener pour préparer? Maman, ce n'est pas bien. Je n'ai pas aimé. Ce n'est pas bien. Je comprends pas. Ce n'est pas bien. Tu vas bien? Écoute-moi un peu. Es-tu folle? Qu'est-ce que tu connais par rapport à ce qui est bien? Tu allais l'écouter d'abord en premier. Non? Tu as commencé là, juste... Tu continues? Idiote! Qui est-il pour me juger? Regardez-moi cette idiote. Folle. Qu'est-ce qui te dérange même? Viens ici pour me dire qu'est-ce que je vais faire ou pas. Ah, Gina, ma copine. Pourquoi tu as ce visage? C'est quoi le problème? Francis t'a encore offensé? Cette fois-ci, ce n'est pas Francis. C'est qui alors? C'est moi. J'ai permis à Satan de m'utiliser encore. Hé, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, c'est quoi le problème? Ce que je peux te dire est qu'elle nous a attrapés en flagrance. Elle nous a attrapés. Oui, elle nous a attrapés sur le point de... J'ai arrêté. C'est avec qui elle t'avait attrapé? Gina. Oh, mais ça c'est bon. Au moins comme ça, elle pourra comprendre qu'elle est en route pour quitter ta maison. Elle pourra aussi comprendre qu'elle ne vaut rien qu'un morceau de papier. Et au moins, elle n'est pas aussi quelqu'un pour qui on se dira de peut-être utiliser de pouvoir un Peter, peu. Peter, je pense, tu sais que nous parlons à propos de ma femme. Oh oui, je sais. Mais je pensais que tu ne l'aimais plus du tout. Est-ce que ta tête fonctionne normalement? J'aimerais aller la supplier. Et je veux que tu m'accompagnes pour que ma femme rentre. Oh, s'il te plaît, ne me mets pas dedans, Ejike. Ne me mets pas dedans. Je compte sur toi. Non, ne me mets pas dedans. Je pense que tu n'es d'accord avec toi seul. N'est-elle pas ta femme? Ou bien as-tu peur d'elle? Écoute, hein, pour moi, mon visage, il est très précieux. Je ne veux pas que quelqu'un ose me casser le visage. Tu peux aller seul. Chérie, ne pouvons-nous pas aller dormir? Il s'est fait déjà tard. Dormir? Oui. Tu peux aller dormir. Je vais te rejoindre après. Je n'ai pas sommeil maintenant. Tu veux que j'entre à l'intérieur et dormir moi-même? Tu sais qu'il fait froid. Non, tu ne dors pas seul. Si tu ne veux pas, alors moi je te rejoins ici, comme ça on va dormir ensemble. Non, nous irons dormir là-bas. Juste, je vais un peu se relaxer et je vais te rejoindre après. Car je n'ai pas sommeil maintenant. Mais je sais que tu es fatigué. Alors, tu peux aller dormir. Je te promets que je viendrai. Tu n'as pas sommeil? Ah, je ne devrais pas dormir seule. J'ai envie de toi. Oui. S'il te plaît. Ok. Allez alors, je suis derrière toi. Je te suis. Ok? Je viens dans la chambre. Bébé, s'il te plaît. Avant que tu t'allonges, je serai déjà là. S'il te plaît, viens. Viens maintenant. Je dis je viens. Viens maintenant. Viens chérie, viens. Mais je n'ai pas sommeil. Je sais. Il n'y a pas de problème. Viens seulement. Comme ça, tu vas attraper le sommeil. Viens, chérie. Allons-y alors. Comme tu veux. Oh, bébé. Comme ça, c'est bien? Ejike, c'est quoi le problème? Pourquoi tu parles comme si tu ne sais pas que je suis en trouble? Troublé? Est-ce à propos de ton shop ou bien
ta femme. Et ce n'est pas assez de problèmes. Ejike, je te l'ai souvent dit que la seule manière de retenir un animal qui mord, c'est en retirant sa tête. Alors tu veux que je te capite ma femme? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Que j'ai tué ma femme. Non. N'as-tu pas entendu parler du divorce? N'as-tu pas déjà entendu du quitter et arranger? Réparer avec un léopard? Alors tu dois être prêt à t'enfoncer encore dans des problèmes. Peter, tu as échoué. Oui. Je ne veux pas me divorcer. Personne ne peut nous séparer, que ce soit même toi. Ejike, tu es un fou. Merci. Un très grand fou. Et tu es un grand singe. Grand singe. Au lieu de me conseiller, tu me parles de n'importe quoi. Je ne peux pas le faire. Alors, tu avais besoin de combien pour acheter ce que tu veux? J'ai 5 000 lira. 5 000? Ah, ok. Prends. Ici, tu as 25 000. Je sais qu'il y en a encore certaines choses que tu voudrais acheter. Alors, sens-toi à l'aise, dépense cet argent pour tout ce dont tu veux acheter pour toi-même. En plus, jusqu'à la fin de la semaine, je vais vendre toutes ces marchandises. Je vais vider mon shop. J'aurai beaucoup d'argent. Et je vais te donner encore plus de l'argent, tu sais, pour acheter tout ce dont tu veux. J'ai entendu qu'il y a déjà iPhone 9 en circulation. Je sais que tu vas aimer iPhone. Vraiment? Je t'achèterai un nouvel iPhone, ok? Ça sera pour toi. Apple? Un nouvel. Oui. J'espère bien que ça te rendra heureuse. Merci énormément. Tu es très gentil. Ah, ne les compte pas. Je veux dire, tu es ma femme. Si je ne le fais pas pour ma femme, à qui alors je le ferai? Vraiment? Alors, pardon. Je veux que tu bouffes mon argent. Tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est le mien. Mon amour. Bon, laisse-moi aller au marché. Ok, ma belle femme. Merci pour l'argent. Je vais au marché, comme je t'ai dit. La reine des anges. Celle qui me donne l'appétit. Tchaï, mon ange de tout le temps. Ma femme bien-aimée. Je t'aime, bébé. Mon soleil. Maman, j'ai fini. J'ai fini. Tout est prêt? Oui, maman. C'est bien. Mon cher, vraiment mon cher. C'est quoi le problème? Mon cher, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que t'as beaucoup retenu comme ça? Mon cher ami. En tout cas, ton appel m'a un peu dérangé. C'est quoi le problème? Ma femme. La femme quoi? C'est ma femme. Encore? Oui, ma femme. Elle m'a tabassé pendant 1h30. Oh mon Dieu. Regarde-moi. Elle m'a tabassé à mort. Où est-elle? Mais je ne l'ai pas vue. Zef, un rêve. C'est un rêve. Ma femme m'a tabassé dans mon rêve. Tchaï. Excuse-moi premièrement. C'est quoi? Mon cher, laisse le jeu.
C'est quand la dernière fois que tu as soigné la malaria? Cette femme est méchante. Elle espère en quelque chose. Ok, va maintenant plaider auprès de ta femme et que tu aies la paix. Et ça devient quoi? Je l'ai fait à plusieurs reprises. Hein? Je l'ai fait et chaque fois quand je l'ai fait, elle me dit qu'il n'y a rien à te pardonner. Mon cher, tu sais comment elle agit. Elle fait mine comme si il n'y a rien qui s'est passé. Tu peux imaginer? Ne t'inquiète pas. Mais au moment où j'entre pour dormir, elle vient dans mon rêve pour me frapper très fort. Elle te frappe dans tous les sens. Prêt à la mort. Oh non, c'est pitié. Ne t'inquiète pas. Calme-toi. Calme-toi. Ah, j'ai peur même de dormir. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. Ne me dis même pas de ne pas m'inquiéter. Ne me dis pas de ne pas m'inquiéter. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Ok? Calme-toi, hein, mon cher. Calme-toi. Oui, c'est moi, Zef Anaya. Hein? Et j'irai parler à ta femme. Tu vois? Calme-toi. Mais oui, ne vois pas maintenant. Mais il y a une raison. Toutefois, quand je m'assois, le sommeil m'emporte. Oh. Et les gifles continuent. Mets-toi. Ne pars pas. Je ne vais pas aller. Je ne suis là. Ne pars pas encore. Je suis là. Reste avec moi. Je suis si là. Si j'essaie de dormir, gifle-moi. Ne t'inquiète pas. Je. Si tu remarques que je dors, donne-moi une gifle. Une très grosse. Gifle-moi. Ne t'inquiète pas. C'est assuré. Chérie, cette femme est méchante. Cette femme est méchante. Elle s'implique aussi dans les activités de l'église. Hein? Avec ses mauvais comportements. Et elle continue encore. Il a ce courage pour détruire ma famille. Hein? C'est quelle famille? J'essaie de détruire ma famille. C'est laquelle de tes familles? Celle de l'étranger ou celle qui est ici? La nôtre, non? La nôtre? La nôtre? La celle-ci. Est-ce que avons-nous une autre? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oui, j'aimerais écouter ce qu'elle t'a fait réellement. Elle m'a séduit. Cette femme est méchante. Elle m'avait envoûté. Je ne savais pas ce que je faisais. Jusqu'au point que tu es venu. Et toi? C'est alors tout est disparu de mes yeux. Et j'ai réalisé qu'elle m'envoûtait. Tes yeux étaient ouverts. Ça veut dire que tu avais vu clairement, oui, n'est-ce pas? Oui, elle m'avait envoûté. Je jure. Je ne devais même pas la toucher. Je crois même en toi. Pas. J'ai confiance. Cette fille est démoniaque. Démoniaque, elle ne réussira jamais. En tout cas, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait mal pour que tu m'expliques tout ça. Vous ne m'avez pas du tout offensé. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Ça ne m'intéresse pas, chérie. Tu veux dire qu'elle t'avait aveuglé, mais sous cet aveuglement, tu t'étais quand même réjoui, n'est-ce pas? Gina, tu ne réussiras pas. Chérie, je pense qu'elle nous manipulait. Hein? Oui, parce que si tu n'avais pas vu ce qui s'est passé, et je ne savais même pas comment j'étais dans cette position, cela veut dire que j'avais raison. Elle nous avait envoûtés. Ce n'est pas nous. Mais. Je dis que ce n'est pas nous. C'est toi. C'est toi qui étais assis et elle était juste au-dessus de toi. Ce n'était pas moi. Moi, j'étais toute seule. Et je vous avais respecté en quittant là, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Ok, pour être franc, je crois que j'étais le seul qui a été envoûté. Oh, oui. Tu as raison. Gina, tu ne réussiras pas. Jamais. D'ailleurs, écoute, j'ai besoin de la prière. Toi-même, tu as vu. Il faut arrêter avec les filles de nos jours. Je ne connais pas leur plan. Hein? Elles essayent de tirer des bons hommes dans leur famille. Oui, exactement. Les hommes bons. Voilà pourquoi je veux que tu partes là-bas et que tu la cherches pour lui dire que tu es vraiment un homme très bon, tu vois. Tu as compris. Il doit m'envoûter encore. C'est vrai. Mais alors son plan ne réussira pas. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ma sœur, je suis venu à cause de l'amour que j'ai pour ta famille. Ton mari et moi sommes amis depuis un très long moment. Et tu sais, c'est un tabou de ma propre part. De me mettre et de regarder que les choses aillent mal. Pendant que je sais ce que je peux faire en apportant une solution qui dure dans votre famille. Il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème ici dans ma famille. Ma famille va très bien comme tu peux bien le voir. Vous avez un très grand problème. Il y a un très grand problème. Est-ce que tu sais que ton mari Ejike est en train de mourir à petit feu? Est-ce que tu sais au moins le jar de la frappe qu'il avait reçu l'autre jour? Frappe?
Ah. Je ne comprends pas. Il ne m'en a pas parlé. Il ne va pas te le dire, oh. Ça s'est passé dans un rêve. Mais... Ça s'est passé dans un rêve. Et si cela n'est pas pris avec soin, un jour je te promets que ton mari va tomber et mourir. As-tu dit rêve? Oui, rêve. Je t'en supplie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu. Pour raccourcir la longue histoire. Je suis venu pour m'excuser pour son compte. S'il te plaît, apaise ta justice avec la miséricorde. Monsieur, c'est quoi encore ton nom? Zef? Zef. Oui, parce que il n'y a rien que je peux pardonner. Moi et mon mari sommes très bien. Nous sommes un comme un plus un égale un. On n'a aucun problème. Pas de disputes, pas de commérages. Nous allons très très bien. En tout cas, il y a la paix ici. La vérité du problème, c'est que si jamais quelque chose ne lui arrive, je serai obligé de dire tout ce que je sais à propos de ta famille. Ok. C'est bien. En tout cas, cette attitude est vraiment ennuyante. Vraiment ennuyant. C'est quand notre fille mourra que tu iras en ville. Hein? Bien, femme. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Je ne peux pas avoir du repos dans cette maison. C'est pas possible. Et qui t'a dit que je ne m'inquiète pas pour ma fille? Tu ne t'inquiètes pas. Ah. Tu ne t'inquiètes pas. Tu vois ces derniers temps. Tu vas t'inquiéter. Tu vas t'inquiéter aussi. Bien. Je l'ai dit bien avant, je vais le répéter encore. Que ma fille, je connais bien ma fille. Elle peut très bien prendre soin d'elle-même. Et au cas où elle ne pourra pas, elle va m'appeler. Tu fais seulement de blagues parce que tu es une femme. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes fortement. Je ne sais pas. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu ne seras pas tranquille. Si tu veux, parle à Ibo jusqu'à la fin du monde. Tu ne seras pas en paix. C'est clair que tu es fatigué d'être un homme. C'est bon, ça se voit. Prends le panne. Prends. C'est ce que tu veux. Non, 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 non. Prends mon panne. Donne-moi ton pantalon, non? Laisse-moi t'apprendre comment être un homme. Laisse-moi t'apprendre comment un homme prend ses responsabilités. Oui. Oui. Tu veux aller de toi-même en ville? Je veux partir. Hein? Tu veux aller en ville? Oui. Hein? Bon voyage. Bon voyage. Ah, ah. C'est tout ce que tu as dit. Ah, ah. Oh mon Dieu, quel genre d'homme que j'ai épousé moi. Hein? Maintenant, si on disait que tous les hommes sortent ici, mon mari aussi va sortir. Hey! Le monde ne cessera de nous étonner. Oh. Maman, pourquoi tu parles à papa comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Tu y es folle? Et ça va chez toi? Maman, ce n'est pas bien. Tu veux que je pousse? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Regarde-moi cette idiote. Je veux juste te fermer cette bouche-là. Et où? Qu'est-ce que tu connais sur le mariage? Hein? C'est juste parce que tu es comme ton père? Idiote. Hein, Otis? Non. Tu vas juste prendre mon panne et me donner ton pantalon pour que j'aille en ville. Reviens ici. Où es-tu? Papa, tout le monde l'a supplié, mais elle préfère de ne pas accepter. Elle agit comme je n'ai rien fait quelque chose de mal. Si tu la poses la question, elle te dira que mon mari c'est un gentleman. Il n'a pas fait de ce qu'il est accusé. Je ne comprends pas. Mais mon fils, éduqué, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Papa, Satan. Satan? Et Satan, n'essaies-tu pas que tes actes d'aujourd'hui prouvent à suffisance que tu n'es pas responsable? Oui. Oui. Laisse-moi te dire, ce genre de silence qu'a pris ta femme. Laisse-moi te dire qu'une femme, pour qu'elle puisse supporter ce genre de provocation, et cela a dérangé jusqu'à la moelle épinière, au plus haut niveau de sa colère, et garder silence, c'est dangereux. Ça veut dire beaucoup. Non. Je vais aller là-bas pour le mettre en garde. Oui, je suis plus intéressée dans toutes les histoires que vous racontez ici. Mon problème, c'est mon fils.
que rien ne puisse lui arriver. A-t-il tué quelqu'un? Vas-y, dis-moi. Est-il le seul homme qui couche avec une autre femme? C'est leur donc, génération. Donc, tu veux aller la mettre en garde? Mais c'est elle que EJK avait épousée. Mais elle est aussi celle qui court partout pour dire qu'EJK... EJK a fait ceci, EJK a fait cela. Laisse-moi aller l'interpeller. La mettre en garde, pourquoi? Et pourquoi Kate parle? Et c'est lui qui a commis cette maman. Ah, ah, non, maman. Est-ce quoi le problème? Ah. C'est que tu fais normal. C'est que tu fais normal. Maman, écoute, merci pour la compréhension. Tu continues toujours à les protéger. Voilà pourquoi il est irresponsable. Il papa. Regarde, je ne suis pas. Quel papa? Papa calme-toi. Tu as fait des mêmes quand tu as fait mon âge. Calme-toi. Tais-toi. Moi, je n'ai pas fait ça. Si c'est que tu fais à ta femme et que c'était à toi qu'on avait fait ça, qu'allais-tu faire? Ou à ta fille? Ça, oublie. Laisse-moi tranquille. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Ah, ah, belle-mère. Où est cette vauriante sorcière? Laisse-la sortir ici. Belle-mère, c'est quoi les problèmes? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ta fille et ta femme sont des problèmes. Ah. Oui. C'est quel genre de rat que vient crier dans ma parcelle? Tu ne me frayes même pas pour te dire. C'est toi l'animal qui est attrapé. Yeah. Belle-mère, belle-mère, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Belle-mère, c'est quoi le problème? C'est quoi? Tout ce que vous êtes en train de dire, ça ne plaît à personne. Pardon, calmez-vous, permettez. Belle-mère, dites-moi, c'est quoi le problème, s'il vous plaît? Hein? Laisse-la. Laisse-la nettoyer ses dents avec sa salive. Ma chère, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, lorsque ta femme était venue chez moi, Comment est-ce qu'elle avait haussé les dents sur moi? Juste parce qu'elle aurait appris. Elle avait appris que mon fils, EJK, est en train de maltraiter votre fille, qui est aussi ma belle-fille. Ta femme n'avait pas vérifié. Elle n'est même pas partie là-bas pour voir comment est-ce qu'ils vivent ensemble. Elle voulait faire écrouler tout ce qu'on a bâti. Alors maintenant, j'ai découvert que c'est votre fille qui veut tuer mon fils. Ce n'est pas vrai. Mensonge. Tu es une menteuse. Je te l'ai dit avant et je te le répète encore. Si quelque chose arrivait à ma fille, ce monde sera petit pour nous contenir. Écoutez-moi ça. Tu as écouté? Ok, ça suffit. Belle-mère, mais pourquoi Lucie voudra-t-il tuer son mari? Hein? Pourquoi voudra-t-il tuer son mari? Calmez-vous, ma belle-mère, calmez-vous. Tu fais beaucoup de bruit ici sans rien me dire. Moi, faire du bruit? Si tu ne fais pas de bruit alors, reste calme, calme-toi. Je t'entends, Dieu, qu'elle parle seulement. Ça suffit. Pardon. Et mensonge. Calme-toi. Mensonge. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Dites-moi, pardon, dites-moi, c'est quoi le problème? Hein? Parlons un peu en détail ce problème. Qu'est-ce qui poussera ma fille, Lucie, de tuer son mari? Qu'est-ce qui demande s'est passé? Demande-lui, oh. Parle. Ok, elle calmez-vous. Dites-moi, j'ai besoin de savoir. Hein? Toutefois, l'information que j'ai reçue est que ta fille a trouvé mon fils avec une autre femme. Un bélier! Et mon fils a réalisé ses erreurs. Il n'a pas laissé beaucoup de temps pour la supplier. Et jusqu'alors, mon fils continue à demander pardon. Elle refuse de lui pardonner. Même ses amis essaient de la supplier. Mais votre fille continue à mentir que tout va très bien. Pendant qu'elle sait bien que tout ne va pas très bien. Toi et moi savons que lorsque une femme a ce genre de réaction, il y a quelque chose. Et quelque chose de très mal peut arriver. Mais je suis ici pour vous avertir que rien n'arrive à mon fils. D'après tout, mon fils n'a pas couché avec la femme en question. C'est quoi le problème? Oh, madame, arrête ce bruit. Ferme-la. Qu'est-ce que c'est? Ferme-la. Continue à parler. Continue à parler. Ça suffit. Non, mais papa, parle, non. C'est toi l'homme de la maison. C'est ta femme qui cherche de problèmes. Quand tu n'arrives pas à gérer ton bélier de vie, ça suffit. Prends l'autorité sur elle. Ça suffit. Il n'arrive pas à se maîtriser. Et toi, n'avais-tu pas appris à ta fille comment satisfaire un homme? Elle n'arrive pas à satisfaire son homme. Voilà pourquoi son mari sort pour aller chercher notre femme à l'extérieur. C'est pas normal. À qui la faute? N'importe Dites-moi. Quoi. Dites-moi.
Ce n'est pas faute, non? Tu n'as pas appris à ta fille comment est-ce qu'on prend soin d'un homme. Laisse mon fils tranquille. Elle a le droit de faire la polygamie. C'est un homme, oui. Taisez-vous. Les hommes doivent être des polygames. Ton mari n'a épousé que toi. Ça suffit. Otis, ne me dis pas ça. Ton mari, je te mets tout à mon mari. Calmez-vous. Je savais tout donner à mon mari. Tu es folle. Je savais comment ça avait mon mari. Calmez-vous. Calmez-vous. Ça suffit. Va te faire traiter. Oui, va entraîner ton fils. Elle ne sait rien de son mari. Mon cher, mets-toi un peu. Laisse-moi lui un bouc. N'importe quoi. Tu es là, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas cette femme, Deka. Je ne l'aime pas à cause de son comportement. D'ailleurs, pour moi, ces histoires-là des belles familles, ça me rend malade. Le problème est que je vais aller voir ma fille. Ma fille ne mourra pas. Qui? Ma fille. Ta fille? C'est toi qui vas la tuer? Le déjeuner se prend le matin et non les après-midi. Ma femme, j'ai trop faim maintenant. J'ai besoin de manger. Mais c'est à toi que je parle. Pardon, apporte-moi mon petit déjeuner. Oh, laisse-moi. J'ai faim. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, Amaka, ça c'est quel problème? Laisse-moi tranquille. Tu paies. Ce n'est pas normal. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez agir de la sorte? Pourquoi tu ne nous avais pas informé? Tu étais là juste à attendre que puisses tuer ma fille. Non, 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 maman, ce n'est pas normal ça. Personne n'allait tuer ma sœur. Ce n'est pas pour ma sœur que nous sommes en train de parler ici. Ce que j'essaie de dire est que vous n'avez aucune raison de le faire ainsi. Rappelez-vous du dé qu'elle n'est pas indiqué. Oh. Ma fille, dis-lui. J'y lui ai dit à plusieurs reprises, mais elle fait toujours semblant. Ça, c'est vraiment toi. Pour toi, c'est différent. Pour toi, c'est seulement la paix, la paix, la paix, la paix. Diplomatie, diplomatie. Tu es diplomate. Comment peux-tu être diplomate quand tu as une personne comme Injideka dans le village? Ce dont ils ont besoin, c'est la confrontation. Une confrontation agressive. Les confrontations agressives, c'est ce qui pourrait occasionner des choses comme... la malice, la rancœur, la destruction totale de l'atmosphère conviviale. Oh. Maman, laisse-moi te demander, si elle était là, allait-elle comprendre toutes ces choses? Celle-ci, c'est ma fille. Vraiment, c'est ma fille. Celle-ci est vraiment mon sang. Elle parle comme son père. Elle ne sait pas que un diplomate, c'est bien lui qui t'a dit que tu es stupide. Elle sera heureuse d'entendre ça. Elle ne sait pas. Maman? Maman, laissez-moi vous demander. Oh. Papa, comme Ejike est en train de troubler ma sœur, papa, c'est que j'essaye de penser qu'on doit juste les conseiller afin qu'ils soient en paix dans leur famille. Oh, s'il vous plaît. Si je parle avec votre femme, oh, parle avec votre femme. Parle elle avec ta maman. Mère. N'est-elle pas ta femme?
Oh. Allons à l'intérieur, contente de te revoir. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux que tu fasses ce qui est essentiel. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? Pardonner ton mari, ce qui est essentiel. Arrêtez un peu à faire des conneries que vous êtes en train de faire là. Soyez en paix. Ma sœur, je... Il est mon mari et pas le tien. Bien sûr, il est aussi mon beau-frère. Il est très beau. Mais pourquoi veut-il le tuer? T'as-tu dit que je vais le tuer? Tu veux déjà le faire. Tu ne sais pas, quand tu fais tout ce que tu es en train de faire, quand tu lui qualifies d'un homme méchant, dites-moi un peu, n'est-ce pas ça la mort? Je suis grande sœur. Je ne suis pas ta sœur. Comment... Grande sœur, je n'ai plus à dire, s'il te plaît, permets-moi de faire mon travail. Et j'ai dit non, pour ton information. Je ne pars nulle part, nulle part. Je suis venue ici et je ne me déplace pas d'ici. Jusqu'à ce que la paix règne entre toi et ton mari. D'ailleurs, qu'est-ce qui te prend en fait d'intimider tout le monde comme ça? Oh. Je ne pars nulle part, oh. Je ne pars nulle part. Grande sœur, tu n'as pas à partir. Je ne t'ai pas chassée. Oui, je ne pars nulle part, oui. Je suis en train de t'attendre. Je ne pars nulle part. Je ne comprends pas, mon Dieu. Continue de travailler. Ce qui est bon pour toi. Continue de travailler. Continue de travailler. Continue de le faire comme ton mari n'est pas important, mais arranger avec ce qui est important. Continue de le faire. Continue. Va là-bas arranger avec ton mari. Tout ce que tu fais là n'est pas important. Va là-bas chez ton mari. Parce que ce n'est pas normal ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas normal. Je ne pars nulle part, oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a appelé ici? Tu veux faire quoi ici? Qui t'a appelé ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, non? C'est comme ça que tu souhaites la bienvenue à la famille que tu as vu. Tu parles de la famille? Qui? Toi? Tu ne peux pas être ma famille. Parce que si tu es ma famille, c'est vraiment une grande déception. Une grande trahison. Je ne sais pas ce que tu fais ici. S'il te plaît, sors de chez moi. Sors de chez moi maintenant. S'il te plaît, ne me mets pas dehors. Je t'en supplie. Dégage! Je ne veux pas crier. J'ai pas de force pour crier. S'il te plaît, sors de chez moi maintenant. Ne me fais pas ça. Je suis là pour quelque chose d'important. Qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est vrai! Comment allez-vous? Comment vous allez? Merci. Alors, où est papa? Qu'est-ce qu'il fait ici? Mieux on va entrer à l'intérieur. Je ne peux pas entrer à l'intérieur. Pourquoi? Attends, pourquoi? Elle ne va pas ici. S'il te plaît, allons-y à l'intérieur. Oh, Edidé. Il semble que c'est l'une de tes relations. Oui. C'est ma grande sœur. Je n'ai jamais vu celle-ci. Bon après-midi. Oui, bon son après-midi. Nom c'est Tante Suzy. Oui. Ah. Oui. Suzy, oui, bienvenue. Merci. Bienvenue. Ok, c'est bien. Oui, allons-y à l'intérieur. Je reviens tout de suite. D'accord. Oui, rentrons là-bas. Lissi, je suis venue m'excuser. Je suis vraiment désolée, s'il vous plaît. Auntie, qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais mieux de ne pas perdre ton temps. Lissi, tu vois pourquoi j'ai toujours dit que tu agis sans toutefois réfléchir. Quelqu'un comme ton meilleur ami, ton ami d'enfance, et tu refuses de lui pardonner. Tu as toujours le courage de dire que c'est elle qui a toujours ruiné ma vie. Et que je pardonne,
quelqu'un qui s'appelle misérablement ma tante? Impossible. S'il vous plaît. Je me demande quel genre de christianisme que nous pratiquons ces jours. Hmm? Il n'existe plus rien, quelque chose comme pardon? Tu sais, la Bible dit qu'il n'y aura jamais la paix pour des méchants. Tantine Soussou, Tantine Suzanne, sûrement il n'y a pas de paix pour toi. Désolée, vous savez, à cause de ma stupidité, tout a basculé dans ma vie. Je suis allée partout pour chercher une solution, mais ça ne va pas. Je décide de venir vers toi, s'il te plaît. Suzy, tu me mets vraiment en colère, je te dis. Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment fait de mal? Tu ne peux pas nous le dire? Attends. Ok, c'est bon. Grande sœur Caro, tu te rappelles, après ma collation, ça a pris beaucoup des années avant de trouver un travail. Oui. Et je t'avais dit que je devais partir chez Tantine Suzy à Lagos pour rester là-bas avant de me taper un très bon boulot. Oui, tu me l'avais dit. Et lorsque j'étais arrivée chez ma chère tantine à Lagos, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, qui est-ce que je vois là? Hey, regardez tantine. Comment elle est venue belle. Oh mon Dieu. Tantine, arrête de dire ça. C'est hey, toi qui es très jolie. Hey. Oh, arrête ça. Tantine, je vois que l'ego c'est très bon. Ma chère, comment tu peux quitter le village sans me dire, hein? Tu n'as pas voulu me dire. Tu voulais me faire une surprise. S'il te plaît, va à l'intérieur. Je te prépare quelque chose. Tantine, laisse-moi d'abord t'aider. Fais d'abord entrer ton sac. Hey. Tantine, laisse-moi d'abord t'aider. Sois calme, non. Tu es ici. Tu vas te réjouir. Que j'entre où, Tantine? Moi, juste, ouvre côté. La porte. Tu verras une chambre. D'accord, là-bas. Tantine, j'arrive. Ok. Hey, Lucio. Comment vont les autres et ton père? Tantine, vont bien. C'est juste que le gouvernement ne leur paye pas. Je ne sais pas. Pourquoi le gouvernement ne prend pas soin des gens comme eux? Pourtant, ils travaillent trop. C'est terrible, Tantine. C'est très terrible. Tantine, je veux devenir une entrepreneur. Mm-hmm. Je refuse de commencer à demander aux hommes à tout moment. Je veux vraiment être une femme indépendante. Je refuse cela. Je veux commencer à chercher mon propre argent. Mm-hmm. Hein? Au lieu d'un salaire. Même avec peu d'argent, je veux commencer quelque chose au lieu d'aller travailler chez quelqu'un pour dire « oui madame, fais ceci, fais cela ». Non, je refuse. Ça, c'est très bien. C'est ce que je peux faire. Tu as raison. Mais tu sais, tu dois utiliser toutes les potentialités que tu possèdes. Avec ça, tu peux réussir. Pas de problème, Tantine. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Je suis une fille très brave, Tantine. Et je vais commencer aussi à t'aider, tu vois, trouver un peu d'argent pour faire ceci, cela à la maison, tu vois, un peu Tantine. Bien sûr, les gosses c'est tellement vaste. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, c'est ce que la Bible a dit. Oui, Tantine. Ne te dérange pas, tu finiras par trouver quelque chose à faire. Ok. Mmh? Ça va aller. Tantine, tu as bien parlé. Ça, c'est les gosses, ma chère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Suis-je en train de te regarder? Elle ne te regarde pas. Elle veut m'épouser. Que Dieu m'en épargne. C'est quoi ça? Ça fait longtemps que tu es rentrée? Oui, j'étais là depuis qu'il était en train de t'embrasser. Allez, ferme-la. Qu'est-ce que tu sais? Où sont les trucs que je t'ai demandé de m'apporter et mon retour? Donne-la-moi. Donne. Et ma différence,
C'est très mauvais. Très mauvais. Allez, donne-moi ça et va à l'intérieur. Donc, hey, n'as-tu pas vraiment honte? Chief, Chief, oh. Arrête ça. Je te donne l'argent des loyers. Prends cet argent pour des petits besoins. Shopping pour moi? Ah, Chief, tu es gentil, gentil, gentil. Hein? Tu es vraiment gentil. Gentil. Regarde. Tu es le meilleur homme dans ce monde. Regarde, ça, ce n'est rien. Ce que je ferai pour toi, si tu me l'amènes. Je vais essayer, mais tu sais, manier, c'est un peu compliqué. Bon, je verrai quand même quoi faire. Pardon, essaye. Je l'aime bien. Pardon. Tu l'aimes? Et maintenant, tu veux la forcer, c'est ça? Non, pas même ça. Est-ce que tu sais, certaines personnes font du mal à leur fille. La laisser seule jusqu'à... Bien, je veux risquer juste parce que tu m'as promis de bonnes choses et tu es une bonne personne. Je veux risquer. Merci. Elle est une tomate fraîche. Ah ah. Elle est une tomate fraîche? Et alors moi? Non, dis-moi, tu veux dire que moi je ne vais pas aider? Ah non, non. Tu es la mienne. Chichi. Belle pastèque. Chichi de moi, mon chéri. Merci. Lissi, prends ce sac, va chez Chief. Il t'attend maintenant. Dans une quelle Chief? Chief John, qui d'autre? Dans une regarde-leur. Comment est-ce que tu me demandes d'aller chez un homme à 7 heures? Il s'est fait tard, non? Écoute, si tu n'apportes pas ce sac au Chief, cette nuit sera fâchée. Et il va nous demander de quitter cet endroit le matin. Vas-tu prendre ce sac ou non? Comment je vais revenir? Si tu regardes l'air et que le repasser, tu n'as qu'à passer nuit là-bas, il n'y a pas de problème. Tandis que je dorme là-bas? Oui, dors là-bas. Comment tu me demandes de faire ça? N'est-ce pas que je me dis que sa famille n'est pas avec lui? Et puis, ça fait quoi? Si je dors dans cette maison, je ne serai qu'avec cet homme. Je ne serai qu'avec lui. Y a-t-il un problème? Il y en a? Et s'il m'est violé? Ah, Chief n'est pas une mauvaise personne. Mais s'il essaie, cède-le. Tantine! Ne sois pas si dure avec lui, hein? Juste pas. Ah, oui. Vas-y, il t'attend, hein? Faut pas lui provoquer. Je veux pas quitter cet endroit. Tantine, hein? Ce n'est pas gentil. Oh. Il s'est fait déjà tard. Lissi, hein? Vas-y, arrête de faire passer le temps. Il t'attend. Ne le fais pas attendre. Je vais t'appeler. Oh, je vais t'appeler. Va d'abord. Tu es un enfant. Qu'est-ce qu'on doit t'enseigner que tu ne sais pas? Monsieur. Bonsoir, monsieur. Madame, bonsoir, m'a Lucie. Donner ce sac. D'accord, monsieur. Oh, merci. Merci. Ça va comme ça, prends monsieur. Prends place. Assieds-toi. 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 Tu sais que tu es une belle fille. Et je peux faire tout possible pour toi. C'est pas pour ça que je suis ici. Oh. Est-ce un crime de vous avoir apporté ce sac? Non, 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 non. Dès le premier jour, quand je t'ai vu, j'étais ivré de ta beauté. Non, Chief, je ne peux pas. S'il vous plaît. Chief, je ne peux écoute, pas, s'il vous plaît, Chief. Fais-moi plaisir. Tu es très Chief. Belle pour moi. Chief, non, 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 Chief, non. Non, 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 Chief. Non, écoute, écoute, Lucie. Non, ça ne fera rien. Aïe. Aïe. Chef, ah. Chef, 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 chef. Hein, hein, reviens. Reviens, madame, reviens ici. Reviens. Ici, je dis. Hein.
Lucy. Où est Lucy? Y a-t-il un problème? On ne sait pas ce que la sœur a fait au chef. Elle pouvait les tuer. Où est Lucy? On veut la voir ici. Quoi? On devait te les demander. Et je sors là. Je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas. Nous voulons la voir ici. Fais attention. Écoute, je te dis. C'est le boss qui aide ma famille. C'est le boss qui résout tous mes problèmes. Si je ne vois pas Lucie, écoute-moi. Si quelque chose de mal arrive à notre boss, je mettrai fin à ta vie. Cela veut dire, si nous ne voyons pas Lucie... Où ça? On est en train de perdre l'état ici. Allons-y. Ah. Je ne comprends pas. Aller où la nuit comme ça? C'est à notre chef, non? Regarde, femme. Si quelque chose arrive à notre chef, on va te corcher vivante. Allons-y. Écoute-moi, je t'ai dit. Vas-y t'échanger et reviens. Sinon, le mal va nous arriver tous. Tu es folle? Ah, ok. Fais vite avant que je te fasse quelque chose de mal. Ah, laissez-moi me changer. Tu es toujours ici? Ne te joue pas de moi, je suis Ibo. Attention, blague à part. Tu ne fais rien, mais tu gagnes trop. Toujours bouffer l'argent de notre boss. Tu veux dire que toi, tu ne sais pas ce que je parle. Le tonnerre te frappe. Ta sœur a fait du mal à notre boss. Si elle t'a porté l'argent, tu allais bouffer. S'il te plaît, tu sais, ce n'est qu'une jeune fille. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-nous. Hein? Non. Chief, hein? Doucement. S'il te plaît. S'il te plaît, hein? Puis-je faire quelque chose pour toi? S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-la. Et pardonne-moi aussi, je t'en prie. S'il te plaît. Arrête. Lucie, je dis arrête-toi là. Qu'est-ce que tu as fait au Chief John? Rien du tout. Non, quelque chose. Ok, bien, quelque chose dont il a mérité. Pour un monsieur fou, moins sage comme lui, il a mérité, vous voulez courir après mon caleçon. Ça veut dire? Qui veut dire que c'était juste votre complicité, je le sais très bien. Et vous avez tous les deux échoué, vous avez échoué. Tu m'as déshonoré, ne me dis pas que tu le ferais jamais. Oui, je le ferai. Laisse-moi te poser la question. Tu penses que tout l'argent que tu te réjouis avec provient d'où? Non, je demande. Imagine que cet homme ne prend plus soin de moi maintenant. Ça m'est égal, tontine. Ça m'est vraiment égal. Laisse-moi te dire, tu as de la chance parce que tu m'as tout expliqué. Sinon, j'allais te montrer mon deuxième face. C'est vrai. Oui, je le fais à cause de ce vieux homme. C'est vraiment une honte pour toi. Hé, tu penses aller où? Mais je te demande. Hein? Lucie, je dis rentre ici. Tu m'es désobéi. Où penses-tu aller? Non, mais je te demande. Je veux juste partir d'ici. Vraiment? Oui, tontine. Tu penses que tout le monde me prendra pour responsable si quelque chose arrivait dans cette ville? Tontine, écoute ce que tu me dis. En tant que maman, tu ne peux pas prendre aussi ma part. Oh, écoutez là. Tu veux partir, non? Ok, vas-y. Vas-y. Tu penses que tout le monde viendra te demander chez moi? Je peux plus rester avec toi ici, je ne peux pas. Ok. Reste vite avec toi seule. C'est bon. Si tu veux pas rester avec moi, vas-y. Mais pars. Tu pensais que c'était la maison de ton père pour jouer? Non, mais viens jouer. Tu pensais que je blaguais ici? Non, mais je blague, non? Allez, vas-y. Je verrai qui viendra demander après toi ici. N'importe quoi. Tu étais venu faire la petite fille ici. Je te blâme pas, oh. C'est comme ça que j'avais quitté chez ma tante. Pour aller vivre dans la rue, sans la nourriture, sans argent, sans rien à manger, même pas où se laver, même pas où dormir. Je devais dormir avec les prostituées là où elles se réunissaient, sous les ténèbres. Je devais me transformer en une folle. Pour que les hommes n'aient pas les yeux sur moi. Je me rappelle même d'un jour où on voulait m'attraper sous le noir. J'étais traitée même d'une sorcière.
Tantine Suzy, tu es vraiment, vraiment méchante. Je comprends maintenant que tu es très méchante. D'avoir traité ma sœur de la sorte, je t'ai hais. Si c'était pas pour Dieu. Si c'était pas Dieu qui m'avait envoyé mon ami de l'école, Oudjou. Tantine, bon après-midi. Salut. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucie! Désolée, as-tu quelque chose... Oh mon Dieu, Lucie! Ça c'est toi? Oudjou? Lucie? Oudjou? Oh mon Dieu! Oudjou! Oh mon Dieu, tu habites où comme ça? Hey! Oh mon Dieu! Non. Tu habites où? Ne dis tu pas ça! Tu habites où ma chérie? Tu sais où les tu restes? Wow. Oh ma chérie! On part à ma maison maintenant la même! Oh. Oh, je vais partir chez moi maintenant. Ma sœur, c'est ce que je vis toujours depuis que j'ai mis mes pieds ici à Lagos. En tout cas, ça n'a jamais été facile pour moi. Ce n'est pas facile. Ma sœur, je souffre. Oh, ça fait pitié. Mais ça, c'est ma maison. Tu peux venir rester ici autant que tu voudras. Oui, viens habiter avec moi. C'est ce que tu as dit. Oui, tu peux Oudjou, venir ici. As-tu dit que je viens rester ici? Oui, habite avec moi, viens. Oui, c'est ça. Oudjou, je ne dors jamais. Non, en paix, mais ma chérie. Ça. Dis-moi, non, as-tu dit que je viens là, rester ici non, avec toi? Oh, ok, Oudjou, c'est ma maison. Dieu te bénisse. Oudjou, mon Dieu, va te bénir. Merci beaucoup, Oudjou. Non, mets-toi. Tu seras toujours la bienvenue. Hey! 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 Wow! Hey! Tu es tellement bonne! Hey! 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 Waouh! Waouh! C'est merveilleux. Tu es très bonne. J'aurais souhaité être toi. Toutes ces intimidations que j'ai reçues des gens, si j'étais toi, ça n'allait pas m'arriver ainsi. Oui. Tu sais, je dois te dire quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Avant que je ne puisse faire le taekwondo, j'ai été attaquée par un groupe de garçons. Ils avaient pris tous mes biens et ils m'ont vraiment tapé. C'était vraiment une mauvaise expérience de ma vie. Et j'ai été hospitalisée pour ça. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je rejoins le club. Juste pendant un mois, j'ai évolué, j'étais capable de me battre. Et je suis en train d'essayer toutes ces actions que j'ai apprises aujourd'hui. Oh, j'ai compatis vraiment ce que tu avais subi. C'est vrai. Personne n'avait essayé ça sur moi, sauf ce que je t'avais raconté. Et j'avais fait ce que je devais faire.
Je ne permettrai à personne d'abuser ma virginité. Surtout celui que je ne connais pas du tout. Tu veux dire que tu es toujours vierge? Honnêtement, c'est oui. Très bien. Je ne permettrai pas à un homme de découvrir ma virginité juste comme ça. Même celui qu'on appelait Adam à l'époque. Même pas Adam. Je t'envie, Lissi. C'est vrai? J'avais perdu ma virginité par le fils de notre bailleur. Après la mort de mon père, on était restés sans rien. Ma mère était malade et j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus continuer mes études. C'était vraiment une très mauvaise expérience et il n'y avait rien à faire à ce temps. Je suis désolée. C'est ne rien. Mais tu es bien maintenant. Tout va très bien se passer, ok? Ça ira. Merci beaucoup. J'ai toi et toi tu as moi. Ça, c'est vrai. Et tu vas m'apprendre. Taekwondo. C'est comme ça qu'on appelle ça taekwondo? C'est taekwondo, comme ça le nom? Oui. On taekwondo. Et le mien. Avec deux mains? Oui, j'aime ça. Ouais, je comprends, tu vois. Et je sais que tu vas aimer. Tu vas me l'apprendre? Attends, je vais essayer. Mes pieds, j'ai pitié de mes pieds. Alors, sois sûr que tu la touches. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garde les genoux toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Fais-en un peu d'exercice avec ça. Tourne-le et tiens-le fort. Prends position. Tu te tiens debout normal. Normal. Avant de donner un coup, tu avances un peu. Tu rates avec un cri. Quel est le cri? Je veux crier. Tu cries avec ton esprit. Oui, il faut crier. Allez-y, position normale. Non, tu es un peu écarté. Reviens un peu. Bien. Yeah! Allez-y avec un coup. Crée au même moment que bien, le coup, bien, pas bien, après. Bien. Bien, c'est bien, ça c'est très bien. C'est bon. Crée yeah! Au même moment que le coup. Bien. Bien. Les suivants. Ah! Ok, ok, une fois de plus. Yeah! Regarde. Yeah! Regarde ici. Watcha! Comme ça. Allez-y. Bien, c'est ça. C'est comme ça. Maintenant, prends position. Maintenant, donne un coup au même moment que tu crées. Allez-y. Bien, ça c'est bien. Yeah! Ok. C'est parti. C'est bien. Maintenant, mon trombone. Encore. On y va. Encore. Ok. Oui, ça, la jambe droite. C'était bien, mais... C'est parti. Toutefois, on essaye y va. De donner un coup. Encore. Soulève le genou. Un coup et ton genou reste droit. Bloque-les. C'est parti. Bloque-les. Encore. Mm-hmm. On y va. Mm-hmm. Encore. Encore. Voilà. Vous voyez ça? Yeah! On y va. Qui se transmet encore. Dans les corps. Des filles, un peu plus haut. Car elles le font proprement. C'est parti. Alors, tu le encore. Prends et tu fais les genoux tout un droit. Un peu plus fort. Les c'est genoux. Parti. Les genoux. On y va. 7, oui, 8, allons-y. 9, 10. Oui. Ok, continue à travailler avec ça. Allez, montre-lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah! Ok, montre-moi maintenant. C'est comme ça que j'avais rejoint Taekwondo et j'étais devenue ceinture noire. Lorsque j'étais à Lagos. C'est alors que j'avais rencontré mon mari qui avait désiré m'épouser. Je regrette tout ce que je t'avais fait. Juste au moment où tu as quitté ma maison, tout a changé. Il m'avait mis hors de la maison. Chief John m'avait emprisonné pendant un mois. Tous mes effets ont été volés là où je l'avais gardé. Juste après, j'avais rencontré un prêtre
qui m'avait revu le cœur. Mon problème était à cause de ce que j'avais fait à quelqu'un de ma famille. Je suis désolée. Vous savez ce que vous avez fait. Elle a vraiment raison de vous les rendre. Si pas notre Dieu, qu'est-ce qui allait l'arriver pendant qu'elle restait dans la rue? Et si on la faisait un mal quelconque, qu'est-ce que tu allais nous dire? Sérieusement, tu m'as vraiment déçu, très déçu. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'ai rien à dire. Un être humain est faible et le pardon est divin. Lissi, je sais que tu connais vraiment toutes les règles, je le sais. Matthieu chapitre 6, le verset 14 dit: si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ma sœur chérie, ma chérie de tous les temps, s'il te plaît, s'il n'y a pas le péché, il n'y a pas aussi le pardon. S'il te plaît, je veux que tu la pardonnes. Pardonne ta Sinti. S'il te plaît, pardonne-la et oublie. S'il te plaît. Toute son histoire est pathétique. Ma chère femme, tu dois pardonner. Tu dois pardonner et oublier. En tant qu'enfant de Dieu que tu t'appelles, tu n'as aucune option que pardonner. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. J'ai soif. Je dois aller prendre de l'eau, s'il vous plaît. C'est bien. Lucie, tu peux embrasser Suzanne. Ça va. Jésus-Christ. Lucie. Lucie. Lucie, pardon, aide-moi. Amène-la à l'hôpital. Eh bien, Madame Lucie, comment vous allez? Je vais bien. Alors, on va voir maintenant. Ok, c'est bien. Voilà. Docteur. Va mettre ça de l'autre côté. Okay. D'accord. Une prescription juste pour les autres. Va lui chercher ses médicaments. D'accord. Alors ne traîne pas, ok? Tu te porteras bien, d'accord? Et sois calme, ok? Je vais aller voir d'autres patients. Porte-toi bien, j'arrive. Doucement, doucement, ok. C'est bon, calme-toi. S'il vous plaît, prenez soin d'elle, d'accord? C'est bon, merci. Prenez docteur, vraiment soin d'elle, merci. Elle se portera bye. Bien, d'accord? Bye. Maman Trace. Oui, docteur. Et s'il te plaît, trouve-moi ces documents, d'accord? D'accord.
Caro, s'il te plaît, peux-tu m'aider à parler à Lucie, hein? Parle avec elle, s'il te plaît. Je dois retourner à Lagos. Elle doit me pardonner. Tout ce que je fais ne marche pas. S'il te plaît. C'est pourquoi je te regarde. Tu n'as pas la conscience. Tantine Souci, tu es vraiment orgueilleuse, oui. Tu ne t'inquiètes pas comment mettre la paix dans ta famille. Mais tu t'inquiètes à rentrer à Lagos, ton pauvre pays. C'est vraiment méchant, sérieusement. C'est vraiment pas ce que tu penses, mais tu sais, mais je veux faire la paix avec elle, mais pourquoi elle ne veut pas m'écouter, hein? Pourquoi elle ne veut pas? S'il te plaît, j'ai tout essayé pour être en paix avec elle, mais elle ne veut pas, alors je t'en prie, aide-moi. Essaie encore. Tantine Souzy, fais encore beaucoup d'efforts. La femme de Lagos. Et je vois. Sœur Caro, je pense que tu as essayé, hein? Je ne veux pas que ta famille souffre à cause de la mienne. Alors, je te suggère de rentrer prendre soin d'eux. Ne t'inquiète pas à propos de moi. Je sais tout ça. Elle a déjà pardonné Tantine Suzy. Bien, je ne sais rien à propos de pardon, mais elle est plus compréhensive maintenant. Je l'ai vu causer avec Sœur Suzy. Je crois que nous avons seulement une relation amicale. Éduqué, tu dois vraiment, vraiment être prudent. Elle est ma sœur. Et je suis capable de te dire qu'est-ce qu'elle peut te faire. Oui, elle se présente comme une bonne personne. Mais elle est vraiment dangereuse. Je crois qu'elle est une matérialiste. Elle n'a même pas besoin d'enfants. Et même mon mari connaît que je ne vais pas rentrer maintenant. Alors t'inquiète pas pour moi. Bien, comme tu as insisté. Oui, j'insiste, excuse-moi. Madame, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous faire ceci? Et pourquoi? Êtes-vous en train de m'harceler? Bien, comme tu insistes, 7 heures du matin serait mieux pour moi. D'accord, on se voit demain. Ada! Ada! Maman! Maman, où est-ce que tu pars? Je pars à la banque. J'aurais appris que depuis que le gouvernement a commencé ses contrôles, toutes les banques vont fermer. Alors, je pars retirer mon argent pour que nous ne mourions pas de faim. C'est bon, maman. C'est bon. Fais un effort de tout nettoyer, je ne blague pas. Je dois. Thank you.
docteur, bonjour. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Oui, ça va bien, comment vas-tu aussi? Je vais bien, où vas-tu? Je sors un peu voir une amie et je reviens bientôt. Ok, j'ai aimé ton habillement. Merci. Ok. Je te vois en train d'arranger la maison. Oui, je l'ai fait. Merci. Je vais t'attendre. Reviens sure, à temps. À très bientôt ma chérie. C'est bon, bye. C'est bon ma chérie. Maman, bienvenue. Merci. Oh. Vous devez vous mettre. Je l'ai fait. Oh, mets-toi. Regarde. Maman, avez-vous retiré? Même pas. La ligne qui était à la banque, aujourd'hui, c'est plus que même celle du mat. Vraiment, oh. Hey, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je n'avais pas d'autres options. D'aller au distributeur là-bas. Ou encore? Je te dis. Je ne suis même pas d'accord. Pardon, j'ai besoin d'abord de manger avant d'entrer à la maison. Allons là-bas, maman. Allons-y. Oh, mon mari, tu n'as rien dit? Rien du tout. Votre papa a un problème? Hein? Tous les centimes que j'ai dépensés pour lui, il va les payer. Pas de problème, maman. J'entre seulement. Il va payer. Papa va payer. J'ai besoin d'argent. Combien tu veux, maman? 20 000. Ce n'est que 8 000 naira, maman. Quoi? 8 000 naira. Le banquier sont méchants. Le gouvernement est méchant. Et toi aussi, tu es méchant. C'est pas de ma faute. Quitte-la. Une jolie fille comme toi, très stupide. Quitte-la. Deux incrédules. Une fille folle. N'importe quoi. Toi aussi, tu fais les transferts. Combien voulez-vous? Je veux 20 000. Ok, le taux est de 500 pour 1000 naira. 1000 pour 500? D'accord, j'ai compris. Maman, je n'ai pas d'argent maintenant. Tu dois revenir demain. Désolée, maman. Tu n'as pas d'argent? Oui, maman, tu peux revenir demain. Hey! Cette fille, donne-moi. Ce n'est pas encore complet, maman. Quelqu'un a tout pris. C'est à cause de ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. Tu n'es pas méchante, c'est juste la banque et le gouvernement. Oh, ma fille, si tu ne me donnes pas cet argent, quelque chose va m'arriver. Je dois voyager très tôt le matin demain. Ok. Pardon, ma fille. Oh. Laisse-moi voir si je peux avoir quelque chose. En tout cas, pardon, vérifie. Oh mon Dieu, tu as beaucoup d'argent. Je peux avoir ta carte? Merci. Ma fille, donne-moi de gros billets. Ça, c'est 11 000 naira, maman. Je récupérerai 8 000 de transfert. C'est seulement comme ça? C'est pas de ma faute. Bye, maman. Oui, maman. Comment le village? J'étais partie voir mon docteur. J'avais un peu de mal de tête.
Oui, je vais bien. Oui, les hôpitaux de la ville. Docteur Greg est bon, je te dis, maman. Ok. Comment va papa? Il va bien? Ouais, je voulais juste... Je serai bien, maman. D'accord, maman. Oui, maman, merci. Bye. Bonjour, docteur. C'est quoi, docteur? Vous m'avez appelé ici à 8h et j'étais ici pratiquement 7h30. Et il est 10h, vous n'êtes pas encore là. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, madame. Je suis tellement désolée. J'étais très occupée. Mais ne t'inquiète pas. Je crois que dans quelques minutes, je serai là. Je suis très impatiente d'attendre. Non. Où sont ces documents? Hein? C'est quel document? De quoi parles-tu? Tu sais de quoi je parle. Celui des 15 millions d'Enera. Ce dont j'ai fait avec mon collègue. Où sont-ils? Je le veux tout de suite. De quoi est-ce que tu parles? Je ne sais pas. C'est quel document? Lucie, tu ne m'avais pas dit que tu viendras à l'hôpital. Es-tu malade? Je vis encore avec qui dans cette maison? Hein? Qui d'autre? J'ai besoin de ces documents. Éduqué, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Quoi? Oh, un instant. Tu m'as juste appelé par mon nom? Hein? Comment toi? Lucie, désolé. Lucie. C'est juste à cause d'une chose. Une seule chose. Mais ne me tente pas. N'ose pas. Tu peux tout oublier. Mais pas celle-ci, non. Je veux ces documents. Pardon, j'en ai besoin. Êtes-vous prêt à oublier tout seulement maintenant? Votre bébé. Que l'enfant, que le bébé. Hein? Elle est incapable de donner naissance. Elle sait de quoi je parle. Moi, je ne le crois pas. Éduqué, je te pose encore cette question. Est-ce que la femme tombe enceinte d'elle-même? N'ai-je pas essayé de faire mon mieux? Hein? Ne t'ai-je pas fait tout ce que je pourrais faire? Hein? C'est quoi encore? Pardon, rends-moi ces documents, c'est ce dont j'ai besoin ici. Rends-le-moi. Je ne suis pas prêt pour toutes tes violences. Ne me tente pas. Vous savez, j'ai abandonné toutes mes affaires pour s'occuper de vous. Mais Lucie, tu as quelque chose que tu dois cacher. Qu'est-ce que je peux vous cacher? Comment une femme peut être grosse sans que son mari le sache? Arrêtez de déranger une femme enceinte. Oui, ma chérie, maman, oh, félicitations, oh, ma fille. Oh, tu es maintenant une femme complète. Tous mes ennemis sont réduits à la honte. Oui, oh. Je te dis. Oh, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a dit que je suis Lucie, enceinte? Lucie. Lucie, tu es enceinte? Ai-je l'apparence d'être enceinte? Lucie, tu es grosse. Bien sûr, je vis les tests que tu avais fait dans un papier, je les vis. Il n'y a rien de grave là, mais je suis ta soeur, je suis avec toi à la maison, mais tu ne m'as rien dit, tu ne m'as rien dit. Et quand Ejiki avait besoin de toi, c'est pourquoi je lui ai dit qu'on se rende d'abord à l'hôpital. Oui. Tu mens. J'ai dit la vérité, tu sais que j'ai dit la vérité, j'ai dit la vérité, j'étais dit la vérité. Arrêtez. C'est toi qui es en train de mentir. Merci maman. Nous avions vu ça. Tu y as par erreur envoyé le message que tu devais envoyer à ton docteur sur mon téléphone. Attends. Mon frère, s'il te plaît. Lisa, je n'ai pas de lunettes. Tu as vu ça? Oh oui. C'est ça. Oui. Vas-y. Docteur, le moment est dangereux. Ne te dérange pas pour sauver les bébés. Mon mari ne le mérite pas. Ne connaît même pas la valeur d'un bébé. Il connaît que je suis aussi un enfant de quelqu'un. De ce fait, il ne peut pas avoir la paix. Je dois avorter cette grossesse. Notre rendez-vous reste tel que nous l'avons pris. Merci. Oh, arrête. À mon petit enfant. Jésus-Christ. Jésus, mon sauveur. Lucie, tu es enceinte. Hey, tu es enceinte, merci Jésus. Quelque chose dont je priais pendant plusieurs années. Quelque chose dont on attendait. Tu veux l'avorter? Pardon, Lucie, ne le fais pas. Pardon.
Ça, c'est ce que tu dois avoir quand tu maltraites une femme. Quand tu traites une femme comme un animal, c'est ce que tu vas récolter. Quand tu n'arrives pas à respecter et à honorer une femme, c'est ce que tu vas récolter. Désolée, j'ai appris une leçon. Regarde-le. Espérons que tu as compris. J'ai appris une leçon. Je suis tellement désolée. Pardon, je suis à genoux. Je m'agenouille. Pardonne-moi de tout mal dont je fais pour toi. Bébé, pardon, tout ce dont je t'ai fait. Pardon, bébé, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis un homme nouveau. Regarde, tu es enceinte maintenant. Nous avons un bébé. Tout ira mieux. Ok? Je suis désolée. Je suis désolée. Éduqué. Bébé, pardon. Qu'est-ce que je vais pardonner? Toute chose. Dis-moi, je vais pardonner quoi? Les coups? Ou bien les jours et les nuits que tu me faisais souffrir? Lesquels d'entre eux? Je suis vraiment un homme méchant. Je suis désolée. Ou de ces insultes, maman? Ou le fait d'avoir couché avec ma meilleure amie? Éduqué, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je vais pardonner? Pardon. Tes vomissements? Dans tes états d'ivresse, tout ce que tu me faisais, des vomissements, des coups, donc, tout ça, dis-moi plus d'abord. Plus jamais encore. Je ne me comporterai plus jamais comme ça. Vas-y, dis-moi. Ou tu croyais que je ne savais pas que c'est toi qui lui avais envoyé de venir me dire de partir chez un féticheur, dis-moi. Ou bien c'est pour l'homme que tu avais faussement accusé. Et si alors quelque chose de mal m'était arrivé, Dieu seul sait. Ah non. Et dis que tu avais fait souffrir l'homme d'autrui pour rien. Je jure, c'est Peter qui m'avait dit que le jour qu'il était venu me voir, il ne m'avait pas vu. Il t'avait vu, tu l'accompagnais. Et ta main était sous son ange. Et il transpirait partout. Alors, je pensais, maintenant je sais la vérité. Je jure, je suis désolé pour toute chose. Pardon, pardon, j'étais aveugle. Je peux voir maintenant. Nous attendons un bébé. Qui? Ce n'est pas nous deux. Pardon. Pardon, bébé. Je t'en supplie. Ok? Je suis un homme nouveau maintenant. Je vais te traiter comme une reine que tu es. Ah! Docteur, merci. Docteur, merci beaucoup, docteur, de ne pas faire la volonté de ma petite fille d'avorter. Non, maman, ne fais pas ce genre de choses. Que Dieu soit loué. Oui. C'est de cette façon qu'on agit, mais votre fille était vraiment désespérée. Docteur, tu es un homme bien. Que Dieu te bénisse. Merci. Docteur, merci beaucoup. Merci d'avoir compris la situation et ne pas me permettre de faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Si ce n'était pas pour vous, j'allais prendre une mauvaise décision. D'accord. Et pour Tantine Souze, je lui ai pardonné. Et je pense qu'il va trouver la paix partout où elle se trouve. Merci, Ekene. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci d'être une meilleure maman pour moi. Éduqué. Mon amour. Je te pardonne. Et je prie que Dieu te pardonne. Merci, aussi. Mon amour. Oh, s'il te plaît, ne fais pas jamais. Ça. Tiens-toi debout. Jamais. Dans notre prochaine vie. Jamais. Je ne le ferai jamais. Plus jamais. Merci. Merci, mon bébé. Merci, mon miel. Encore une fois, mon soleil levant. Merci. Merci beaucoup.